Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live, le live donc des Sons Jetés, le premier épisode en live, un épisode qui va durer longtemps, donc un super épisode. Bienvenue à vous, cet épisode a un nom que je vous laisse découvrir juste sous le titre donc de ce live. Les joueurs sont prêts, j'espère que le petit résumé vous a plu, on va pouvoir commencer tout de suite. Mais avant toute chose, je vais d'abord vous remercier d'être présent là ce soir. Et je vais vous préciser une chose, c'est que ce soir, nous ne regarderons pas le chat pour éviter d'être influencé et pour éviter de voir les résultats des votes, puisqu'il y aura des votes auxquels vous pourrez participer et qui agiront directement sur l'aventure en cours de partie. Donc surveillez ce qui se dit dans le chat et la fenêtre de visionnage, puisqu'il y aura aussi un petit signal pour vous dire quand vous pourrez voter. Voilà, ça c'était pour les petites modalités de la soirée et on va accueillir les joueurs tout de suite. Bonjour à tous. Bonjour. Tous en cœur. Voilà, tous en cœur. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes parés pour la partie de ce soir qui s'annonce déjà dantesque, puisque on va toucher à la fin de notre aventure qui aura duré presque un an sur cette saison. Je vous réserve quelques petites surprises. Peut-être que vous aussi, vous nous en réserverez. On va découvrir ça tout de suite. On va se plonger tout de suite dans la suite de vos aventures. Vous êtes au bord de cette côte. Vous avez un peu le bruit de la mer à côté de vous, le son du vent. Et vous voyez toujours au loin ce mausolée, cette crypte qui s'élève sur cette pelouse, une crypte qui est sur un appic rocheux, donc face à la mer intérieure, et vous avez observé qu'il y avait la porte de la crypte qui était ouverte. Mmh. Oh yeah, il y a une belle pelouse, tu dis, devant ? Tout autour. Autour, il y a effectivement une sorte de pelouse, on va dire. On peut appeler ça comme ça. Il y a de l'herbe et il y a aussi d'autres tombes qui sont présentes tout autour. Ah. Il y a sûrement un gardien qui entretient tout cet endroit, non ? Alors, ça n'a pas l'air d'être très entretenu. Hein. L'herbe est relativement haute. Ça a l'air d'avoir été abandonné depuis quelques temps, effectivement. Hmm. Il n'y a sûrement pas de gardien pour entretenir cette pelouse. Il n'y a peut-être pas de gardien, finalement. Bon, c'est comme dans mon jardin, quoi. Donc, jardin. Qu'est-ce que vous faites de votre côté ? Est-ce que vous vous approchez de cette crypte ? Ou est-ce que vous prenez un peu plus le temps d'observer les alentours, de faire le tour du propriétaire, comme tu dirais ? Je propose d'inaugurer cette soirée par le jet qui s'impose. Ah, lequel ? Faites un jet de... Qu'est-ce que tu fais ? Puisque je vais vérifier que, en tout cas visuellement, il n'y ait pas de piège ou quoi que ce soit qui puisse signaler notre présence à des gens qui ne voudraient pas être interrompus dans une éventuelle cérémonie, rituel, saloperie. On applaudit Kratel ! Oui, il a raison ! Alors, pour les jets de ce soir, je vous invite à annoncer les résultats des jets, puisque comme on est en live, on ne va pas pouvoir les afficher. Donc pas savoir, les gens. Lance, inaugure cette session avec le tout premier jet. Le premier jet de perception. Et attention, c'est un 23, c'est pas fou. 23, oh, c'est tout à fait honorable. 23, 24, pardon, puisque petit bonus, détection des pièges, tout ça. 24. Tout à fait. Donc 24, tu observes un petit peu, tu as signalé à tes camarades, attendez, on va d'abord jeter un œil, on va y aller de manière méthodique et précautionneuse. Tu t'es avancé, tu regardes un peu, tu tâtes un peu le terrain.
Non, à part le fait que parfois le terrain soit un petit peu spongieux et qu'il puisse y avoir quelques trous dans la terre dans laquelle éventuellement on pourrait se tordre une cheville et ce serait bien dommage, eh bien, tu ne perçois absolument aucun piège. Ça, c'est bien. Bien. Bah, moi, je propose qu'on fasse tout droit vers la crypte. Très bien. Moi, je propose qu'on aille vers une fenêtre et qu'on utilise mon périscope pour essayer de regarder à l'intérieur. Ah oui, c'est vrai que t'as un périscope. Ouais, vous ne voyez pas de fenêtre sur les côtés. Je vais vous décrire un peu plus le tombeau, la crypte, tel que j'ai écrit cette description. Donc le tombeau, je vous l'ai dit, est installé donc sur un appic rocheux au milieu d'une étendue verdoyante autour duquel gisent d'autres tombes. On voit très clairement que l'entretien a été délaissé depuis de nombreuses années, voire même plusieurs dizaines d'années. Et au contraire de ce que vous auriez pu attendre, ce monument, hein, dédié à une personnalité unique et canonisée, n'est pas très grand. Voilà, la crypte n'est pas très grande, à peine plus grande qu'un caveau familial. Donc vous approchez un peu de ce caveau et vous voyez qu'au faîtage de son entrée, il y a une statue de marbre blanc qui représente le saint homme muni donc d'un sceptre rehaussé d'une sorte de construction un peu complexe représentant des sortes de satellites gravitants. Des satellites gravitants ? Oui. What? Un peu comme si, comme s'il y avait vous voyez, un satellite central, comme une planète peut-être, et d'autres satellites qui tourneraient autour de ce D'accord. satellite central. Rappelons qu'il s'agit du sceptre de la Lune. Ok. Et okay. Du coup, c'est pas très grand, donc ça veut dire que potentiellement, quand on rentre dedans, ça va descendre en souterrain, parce que s'ils ont fait rentrer au moins 6 personnes dedans, vu qu'il y avait 5 sacrifiés, plus Yurgat, forcément, on va pas tomber sur quelqu'un directement là, à moins qu'il y ait quelqu'un qui garde l'entrée. C'est une observation tout à fait juste, donc à mesure que vous vous approchez, vous avez vu que la porte était ouverte, donc vous commencez à y aller un petit peu de manière... prudente pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et tandis que vous commencez à regarder par la fenêtre, vous sentez que les embruns s'engouffrent dans cette entrée, dans cet endroit, avec notamment des feuilles qui viennent s'engouffrer donc à l'intérieur. Dans la crypte, vous voyez une autre statue, une grande statue qui représente, semble-t-il, Eristée, avec une main tendue en avant, comme pour inviter... Donc le voyageur a s'agenouillé pour recevoir la bénédiction de Méhalié. Et derrière cette statue, vous voyez une grille, effectivement, qui est laissée battante. Avec au sol, vous voyez comme une sorte de verrou qui aurait été forcé. Et juste à côté de cette porte, vous voyez qu'il y a un petit bout de papier planté dans le mur. Ouais. Attends, il a... Ouais, c'est ce que j'allais dire, il a peut-être... Stop, monocle, exactement. On va voir déjà si le bout de papier, il a des résonances magiques cheloues. Le monocle. Non, tu vois aucune résonance magique chelou, et quand vous approchez, vous apercevez qu'il s'agit, semble-t-il, d'une lettre laissée par Obeshad à l'adresse donc de Kélis, le second que vous avez massacré dans les catacombes, hein. Qui s'adresse à lui en ces termes. Kélis, rejoins-nous dès que tu arrives. Prends avec toi ceux qui ont reçu la bénédiction de Gol'Taras. Eux seuls pourront t'aider à entrer conformément au rituel que j'ai réalisé. Prends garde car les gardiens sont toujours actifs. Emprunte le plus possible les tunnels annexes que je t'ai montrés sur le plan. Je ne sais pas exactement ce que veulent les recrues de Miklos, mais par tous les diables, j'espère qu'ils nous auront perdus d'ici là. Ou que les gardiens auront raison d'eux. Déçus, du coup. Et c'est-à-dire que... Il sera certainement déçu, et sur ces derniers mots, donc que vous lisez entre vous, ces derniers mots résonnent dans le contrebas, et vous vous apercevez que cette grille donne effectivement accès à un escalier qui s'enfonce dans les profondeurs obscures. Et je vais vous changer de map... pour vous donner à voir cela.
s'il dit amène avec toi ceux qui ont reçu la bénédiction et tout, ça veut dire que c'est pas Yorgath qui a déjà les sacrifiés là. Il devait les amener du coup, Kélis. Donc on n'attend pas les 5 autres personnes. On peut pas savoir, ils sont peut-être venus par un autre moyen, ou peut-être qu'ils étaient en avance, ou je sais pas quoi. Il y a peut-être eu, tu sais, il a peut-être écrit son mot, les autres sont arrivés, il a laissé le mot quand même. Tellement leur bordel, enfin le bordel de leur organisation de toute manière. Mais il y a un plan du coup et on l'a pas ce Oui, plan. c'est ce que j'allais dire, non, on l'a pas le plan. Ouais, il parlait d'un Non, plan on n'avait avec pas de le plan, chemin à effectivement. suivre, tout ça. Et ça peut Merde. être dans le Bon. livre qu'on a récupéré, on l'avait donné ou pas au temple, le On l'a livre envoyé de avec les Kélis. annotations? Non, je pense qu'on ne pourra pas Non. avoir de plan. En fait, le truc, c'est que personnellement, je pense que. Comment dire? Enfin, il faut qu'on clean. Les gardiens sont sûrement des trucs morts-vivants parce qu'ils ont quand même l'air d'être vraiment versés dans la nécromancie. Donc moi, je suis d'avis de péter la gueule de tout ce qu'on voit de toute manière parce que c'est pas bon. Voilà, c'est pas On propre. pose pas de questions. Mais. Oh le bourrin! Laisse-moi Mais les écrire. principes de. Mais les principes de conservation et de prudence me feraient plutôt dire que, du coup, on devrait plutôt viser les tunnels qui semblent annexes plutôt que la voie principale, pour être plus prudent Ouais. et prendre moins de risques. Parce que bon, si on doit péter la gueule à tout ce qu'on croise et arriver complètement mort face à On a baguette Hobshad et magique. ses copains, on n'aura pas l'air très très fin. Donc, moi je prône la Ouais. Il y a un temps de prudence. recharge à la baguette magique au fait ou pas? Non. Non, j'ai juste un nombre de charges limitées. C'est ça, exactement. Une fois que vous avez utilisé toutes les charges, elle est vide et elle ne sert plus à rien. Après, vous pouvez recharger une baguette qui est vide, mais pour ça, il faut avoir les pouvoirs nécessaires. Ou Et alors, j'en ça chope prend une une deuxième et je pourrais action manger du riz comment en avec. combat? On peut aussi faire ça, Ça Kratel, prend tout une à fait. action rapide ou une action de On tour à applaudit tour Kratel qui fait des blagues. de Non, ça prend C'était l'attention. une action simple, donc l'équivalent d'un. Comment dire, d'une attaque en C'est comme combat. si tu jetais un sort en fait, donc. Voilà. Très bien. Bon Donc, bah allons-y donc vous progressivement. voilà. Je ne sais pas Ouais. si vous avez regardé un petit peu au niveau de la carte que je viens de vous ouvrir. Vous avez Ah normalement si alors l'entrée attends. qui vous est signalée. Vous êtes au niveau de cette entrée. Le mot était juste à droite, juste à gauche, pardon, de l'entrée. Vous avez la statue d'Eristée qui est devant vous et vous pouvez avancer dans cette ambiance Une question avant sombre. d'entrer. Oui. Est-ce qu'il y a Tu bien un passes soleil? devant le copain, comme d'hab? Oui, je passe devant, je passe devant. Même si je suis pas le meilleur pour détecter les pièges une fois de plus. Mais bon, je vois dans le noir toute cette douceur. Honnêtement, je pense que ce sera pas piégé parce que déjà ils ont Il y a l'air des de gardiens. débarquer dans l'endroit. Il y a les gardiens et ça, je pense que ça fait le taf. Je pense qu'on peut. Ben, on va essayer d'être prudent Ouais, quand c'est même, mais vrai. je pense pas qu'il y aura des pièges. Ça serait logique. Ouais, je Il y a suis des d'accord, torches je suis déjà d'accord. d'allumer ou c'est Oui, pas. si on voit, Ouais. c'est qu'il y a de la lumière. J'ai l'impression qu'il y a une torche en bas Alors, il des y a de la escaliers. lumière qui émane d'abord de Ouais. l'extérieur. Tandis que vous voyez ces escaliers qui descendent, qui descendent, qui descendent inlassablement, jusqu'à arriver à une autre petite salle où vous voyez une autre source de lumière un peu vacillante, un peu plus bas. Bon, on essaie d'être discret à partir de maintenant, quand même. Oui, Tant que d'ailleurs, possible. j'ai une question. Oui. L'armure de mage? Ah non, c'est écrit. Pardon, oubliez-moi. Bah non, mais je crois que. Bon. Bon, bah Bah, avancez on doucement. va jusqu'en bas des escaliers, puis on avise après. Oui, Donc je t'ai fait ok. un jet de Avancez en bonne perception marche. quand même, Goldie, Oui. pour tout ce qui est quand même piège ou truc chelou que je pourrais croiser sur la route. Donc D'accord. j'ai fait 15. J'ai vu un Plus 2 14 pour tout avant le ce qui est 15, moi. construction en Mais pierre. Et il Ah avait non, lancé ça c'est un. un vieux, ça. Ah d'accord, Ça c'était ok. un vieux, mais Donc 15, j'avais laissé ça Kratel marche. de Pour l'instant, tu ne détectes rien, ce ne sont que des escaliers. Il semble d'ailleurs avoir été pas mal emprunté. Alors, il y a longtemps, mais tu vois que les marches sont assez usées et qu'elles présentent une trace de passage, certes ancien, mais fréquent. T'as des bonus pour les Ok. pierres, en plus c'est de la pierre. En vrai, on avance comment Exactement, j'ai alors? des bonus pour les pierres, pour les irrégularités, notamment ce qui pourrait constituer un piège. Mais ouais. Je vais continuer d'avancer, je vais aller jusqu'au ce qui semble être un genre de palier. Mais je pense que Kratel, faut que tu Voilà. sois devant.
Parce que ça marche. Nous, on est plus à la distance, donc techniquement, c'est mieux qu'on soit derrière. Okay. Après, maintenant, j'ai mon arbalète de poing. Ah, vous arrivez effectivement dans une petite salle rectangulaire qui pourrait s'apparenter à une sorte de vestibule. Dans cette petite salle, vous voyez différents éléments qui semblaient servir habituellement à l'entretien de l'endroit. Les objets sont visiblement là depuis fort longtemps et ne semblent pas avoir été utilisés depuis quelques décennies étant donné la couche de poussière et le nombre de toiles d'araignée qui les recouvrent. De sorte ça a l'air d'être particulièrement ancien, de sorte que l'échelle que vous voyez derrière vous est aujourd'hui dans un bois complètement moulu et qui est beaucoup trop fragile pour qu'on puisse grimper dessus. Et à peine vous posez la main dessus, vous voyez que le bois s'effrite et se désagrège. Sur la petite table... C'est une échelle qui est posée... D'accord. Ouais, qui est posée là. Elle est posée contre le mur qui devait servir potentiellement à peut-être aller dépoussiérer le haut des statues ou des choses comme ça. Sur la petite table qui est devant vous, il y a une série de cierges qui sont posés à côté d'un hôtel dédié à mes alliés. Et les cierges ont été allumés tout récemment. On voit également à côté donc quelques urnes vides stockées ça et là. Et après ce vestibule, les escaliers continuent de descendre encore un peu. Est-ce qu'on peut pas regarder un peu plus attentivement la statue de mes alliés, des fois que ça soit référé à un gardien en question, je sais pas trop quoi. Tout à fait. Vous pouvez, Il y aurait des... La statue qui est là, alors c'est une statue qui est toute simple, hein, qui représente une version miniature, on va dire, de la représentation de mes alliés dont vous avez l'habitude, à savoir cette femme avec toujours une goutte sur la joue et qui a à ses côtés nombre de coquillages et des choses comme ça qui représentent justement le milieu marin. Ok, mais rien de spécial. D'accord. Non, rien de spécial. Bon. Vous pouvez adresser une prière à mes alliés. Avec le monocle, on décerne rien. Attention. Bah, le monocle, on va le rentabiliser, hein. C'est moi qui te le dis. Non. C'est cher. Alors, est-ce que je te refais un jet de perception pour les prochains? Mais très cher modérateur, de lancer le premier sondage. Oui, je disais, pardon, Eldebeuf. Je voulais juste savoir, c'est plus une question technique, s'il fallait que je te refasse un jet de perception pour les prochains escaliers ou si tu considères que mon 15 il vaut pour toute la descente. Ton 15 vaut pour toute la descente. D'ailleurs, on va faire ça si vous voulez. Vous allez tous me faire un jet de perception qui servira un peu de jet passif pour l'exploration. Les 20, 36, vous foirez pas. Avec un critique. Pour Fumble, et... effectivement. 8 pour Mibi. Bon, c'est bon, on se fera pas avoir. Beaucoup moins bien. Pour Mibi, ça va. Et Mayal, il me manque le jet de Mayal. 17 pour Mayal. D'accord, très bien. J'étais en train de regarder, normalement j'ai des bonus de détection des pièges, je sais plus. Bon, je vous préviens, j'ai cramé mon karma pour le reste de la soirée. Hein. Mais c'est pas grave, c'est la perception qui dure dans le temps, c'est juste très bien. Que le vote ne semble pas fonctionner, je vois pas, et évidemment c'est logique puisque je sais quelle erreur j'ai fait. Hop, attendez. Hop. Pour suivre des traces, c'est pas pour détecter les pièges. Parce que les gens ils votent pas. Pour l'instant, si les gens votent, mais c'est moi qui ai fait une petite erreur de technique. Je vous invite à continuer de parler entre vous pour l'instant, tandis que je règle cette question. Voilà, tout de suite. Pas de problème. Sur la suite, on voit plus rien. Oui, j'ai l'impression. Alors les gens, j'ai l'impression qu'il y a plus de lumière. Après, mon sort. On a. On va. Ouais. Ah oui, ton sort de magie de lumière. Ouais. De lumière dansante. Ah ouais, ça c'est bien ça. Moi, je suis Nyctalope. Je vais rien dire. Là-dessus. C'est ça où on se tient tous la main pour avancer, quoi. C'est pas terrible. On peut tous s'attacher avec une corde, sinon on sait jamais. Ouais, on peut tous se pendre avec la corde aussi. C'est horrible.
Mmh. Eh ben, de ce que je vois, moi, après les escaliers, là, il y a quelques marches qui restent, puis il y a à droite et à gauche. Je sais pas si vous voyez la même chose que moi. Oui, oui, on voit ça. Mais okay, après, c'est tout noir. Je suis paniquée. Et après, c'est tout noir. On est bien d'accord. Et c'est pour ça que je préfère décrire. Donc, on arrive à un genre de premier, peut-être, sous-étage, genre le premier sous-sol. Il y en aura sûrement plusieurs. Et on aura le choix entre aller à droite ou à gauche. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'autres choses qu'on peut voir. Alors, vous pouvez avancer. On reprend l'exploration pendant que ça le... Donc, on règle les problèmes. Bon, ok. J'ai l'impression que ma carte a du mal. Non, mais c'est normal. Moi, j'arrive un peu à tâtons. Ah. Alors, pour l'instant, vous avez rien d'allumé. Il n'y a plus de... Eh bien, je l'allume. C'est ça. J'allume le feu. Très bien. Alors, je vais te donner du coup qui a planté. La vue. Ah, on a perdu le Roll20 de Mayel. Ça va revenir. Une vraie allume. Dis-moi, t'es... Les aléas du direct. Tes lumières dansantes, c'est ça, Mibi? Je vais essayer de les garder quand même assez proches pour pas que ça alerte non plus tout le monde. D'accord. Rappelle-moi, c'est combien de place ça prend de lumière? Je crois que c'est 20. Attends. Rayon de lumière. Comme une torche? Ça doit être 6 mètres, du coup, je pense, si c'est comme une torche. J'aurais dit 6 mètres, ouais. C'est lumière dansante ou rayon de lumière que tu fais? C'est lumière dansante. Lumière dansante. Ça fait comme des torches. Hop, voilà. Lumineux. Bon, vous y voyez. Alors, vous arrivez effectivement dans un couloir. Dans un couloir où vous voyez qu'il y a une porte sur votre droite. Le chat, pas de panique, on va relancer le vote. Il va juste falloir qu'on me redonne le lien pour refaire le lien entre OBS et le vote. Ouais. Est-ce que le vote c'était vous descendez les marches ou alors vous rebroussez chemin et décidez d'aller monter une auberge? C'était pas ça. Ah la vache, le vote un peu ultime quand même. Avoue que ce serait quand même l'anticlimax le plus terrible de l'histoire du jeu de rôle. Au moment de l'épisode final, la compagnie dit tu sais quoi? Pas les couilles, allez. Une auberge. C'est quoi? Moi j'aime la bière brune, toi t'aimes le lait de chèvre, il y a moyen de faire un truc. On est même pas payé. On peut relancer le vote. On a de quoi monter notre auberge, notre petite affaire. Et là, le MJ passe les pires parties de sa vie à faire du roleplay, gestion et comptabilité. Oh, ça se fait. Alors, la porte que vous voyez au bout de ce couloir est une grande porte à double battant. Alors, il y a pour la forme deux anneaux qui sont représentés autour des doubles battants, mais ça n'a pas l'air d'être des poignées qui s'activent. Hein. En revanche, vous voyez sur cette porte trois symboles de mains. Vous pouvez me faire un jet de connaissance religion. Ok, connaissance. Ce que je surveille, j'espère que le vote va bien se passer cette fois-ci. Un petit 10. Ah bah je suis pas la seule. Un tout petit 10, ouais. Voilà, en même temps, la religion. Juste un instant. Kelseros, il faut que tu te connectes avec mon compte Twitch avant de lancer paul.ma.pe. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà, fausse alerte encore pour le vote. Hein, voilà. Moi, je vote contre. Par contre, je m'aperçois chez toi, Mayal, ton micro fait des grésillements. Je sais pas si ça le fait pour d'autres. Bah ouais, je rame là. Il est activé en permanence. En fait. Tu dois avoir la détection du son qui est pas bonne. Là c'est mieux là. Là c'est mieux. J'ai rien changé pourtant, mais là mon ordi il y a RAM, j'arrive pas à ouvrir ma fiche. Ah bon. Ah c'est donc moqué de moi. Alors donc je disais donc un jet de connaissance religion. Donc nous avons un 10 pour Mibi, un 21 pour Kratel et un 10 pour Eldebaf.
Le 21 de Kratel, le 21. Pour 20, le 21 de Kratel permet à Kratel de reconnaître ici le symbole que vous aviez vu au temple d'Eristé, donc à la ville de Terrascon, qui représente en fait le symbole des guérisseurs. Donc à savoir une main auréolée de lumière. Un truc comme ça, quoi, avec de la lumière. Non, juste une main. Juste une main avec des rayons de lumière autour. Ok, d'accord. Tandis que le PC de Mayal est toujours en PLS, c'est ça ? Ouais, alors que le PC de Mayal est en train d'exploser. Ok, je ne veux pas s'ouvrir. Qu'est-ce que vous faites du coup ? Mais... Dites-moi. Bah, on répare le PC de Mayal. Okay. Et je vais juste aller jeter un œil à l'autre bout du couloir, puisque je discerne un escalier, de nouveau. Tu vois un angle qui tourne sur la droite avec un escalier. Ouais. Est-ce que on est d'accord Alors, parce que comme il a une perception parfaite pour la durée de tout le reste du jeu, je sais pas si c'est ça, mais quelques temps. Non, c'est un peu plus compliqué que ça, je pense. Le vote se relance pour un troisième essai, donc allez-y. Retenter. Il y a un suspense. Voter, bande de gens avec la liberté d'expression. Est-ce que Kratel aurait vu si la porte était piégée d'un simple coup d'œil, vu qu'il a la perception ultime en ce moment? Oui, avec le jet de perception que vous aviez fait, effectivement, il aurait détecté s'il y avait un piège. Ouais. Non, là, il a rien vu. Bien vu. Ça a l'air d'être. Non, je te dis vraiment, je pense pas qu'on. Complexe, je pense qu'on doit, pas plus. On doit s'inquiéter d'être discret, mais on doit pas s'inquiéter de pièges. Ils auraient jamais eu le temps d'en mettre en place, ce serait pas rentable. On doit juste craindre les gardiens, et, etc. Mais je pense que là, on. Vu comment ils parlent, en fait, je pense qu'on va s'enfoncer sous terre, on va avoir une série de tunnels. Faudra prendre les moins évidents, et ce sera sans doute le meilleur moyen d'arriver à peu près de façon sûre jusqu'à lui. Ok. Ça me semble assez bien aussi comme plan. Mais est-ce qu'on n'ouvrirait pas la porte quand même? Mais on va juste voir s'il y a de l'autre côté. Honnêtement, je pense qu'il faut. Enfin, personnellement, mon avis, c'est que le moins de bruit on risque de faire, tant qu'on peut passer des couloirs et des escaliers sans porte, sans prendre le risque de faire le moindre bruit, on s'en sortira mieux. Je pense. Mais toi, tu veux pas ouvrir la porte alors? Pas tout de suite, non. Je veux d'abord voir jusqu'où mène l'escalier. En plus, faut qu'on s'enfonce. S'il y a une porte, c'est sans doute que c'est une salle seule. Je suis pas, persuadé qu'on. Alors, modérateur, oui, enfin, imagine, je vais lancer moi-même le vote pour cette fois-ci, le temps que vous régliez le problème. Hop. Je vous laisse continuer de parler, pardon. Ouais, je pense pas le moindre loot ou quoi nous soit utile. Je pense qu'il faut juste qu'on fonce. Hein. Tu sais, on est quand même là pour empêcher un rituel qui va libérer un dieu malsain, etc. etc. Donc... Ouais, mais t'es pas curieux. Mais moi, je suis trop curieux de ouf. Comment tu fais pour être si curieux? Bah, au pire, on y retournera. Parce que j'ai un objectif clair, en fait. Oui. Ah. Et avec Miklos, qui lui sera super content de looter des trucs. Pour le vote, là, vous pouvez y aller. Ouais. Ok. Bon. Et Mayal, t'en penses quoi? J'en pense pas grand chose, j'essaye de me plier. Sorry. Je ne vois pas la carte. Ah, sinon le navigateur si tu as besoin. Je l'ai fait trois fois. J'ai réussi à me lancer mon jet de connaissance religion, déjà, qui n'est pas glorieux puisque j'ai fait 6. Ah, effectivement. c'est pas glorieux. Du coup, tu as une source de lumière qui est un peu limitée pour voir pour l'instant par... Je fais signe à Mibi peut-être de venir à côté de moi pour essayer de mieux voir. Ok. Ce que tu vois, c'est un autre escalier, mais cette fois-ci qui grimpe, qui monte légèrement, qui remonte un peu, et tu vois une ouverture donc sur la gauche. Sur un nouveau couloir, tandis que l'autre couloir que tu vois se poursuit en face avec donc une autre ouverture sur la droite, un peu plus loin, et une grille ouverte donnant sur un virage sur la gauche en face. Oh, quel dawa!
On va être obligé de vérifier toutes nos options en fait. Ouais, on pourrait même ouvrir la porte qu'elle a, qu'on avait vue tout à l'heure. À tout hasard. Comme ça, c'est une option de vérifier. Alors, rapidement, puisque vous avez quand même un petit peu de vue sur cette salle-là, même si elle est encore un peu dans la pénombre, vous voyez qu'il semble y avoir une sorte de promontoire sur lequel il y a l'air d'y avoir une sorte de d'hôtel. Un hôtel à sacrifice. Alors que Mayal nous met l'ambiance quand même dans le micro, dans le casque. Mais je fais rien. J'ai l'impression qu'il y a un fantôme qui est en train de me hanter derrière et qui fait des grésillements dans mon casque. C'est un peu flippant, alors, hein, si, je dois admettre. Si besoin, Mayal, sur ton micro, remonte un peu la sensibilité de détection à moins 60 décibels, ce sera peut-être mieux. Je suis dans la technique de. Je vais me. je dois admettre. Ah là là. Maintenant que j'ai un tout nouveau micro, je vais devoir acheter un ordi, c'est ça? Ah, voilà, un c'est achat un peu. Oh, l'ordi. Ton micro capte du. Aurélien, je vais. Vas-y, dis-moi. Ouais, parce que l'ordi, là, on peut laisser. Je vais me lancer deux petits sorts d'alchimie histoire d'être un peu plus au taquet. Ok, très bien. Parce que je me dis que c'est un bon moment pour le faire. En plus, c'est des niveaux 0, donc ça. Ouais. En plus, c'est des niveaux 0, donc ça devrait pas poser de problème. Je vais lancer ma conscience accrue, qui me permet d'être de meilleurs résultats sur les tests de perception et de connaissance. Ok, très bien. En plus, c'est juste un grain de café à faire, donc c'est tranquille. Ça dure une demi-heure, je pense que dans le temps en jeu, ça devrait être vite rentabilisé. Une demi-heure ? Ouais, 10 minutes par niveau. Quoi que c'est peut-être 10 minutes par niveau d'alchimiste. Auquel cas serait différent. Enfin, d'enquêteur, mais bon, comme je suis niveau 2, ça fait quand même 20 minutes, donc c'est pas mal. Et je vais aussi me lancer l'anticipation du danger. Très bien, ça marche. C'est noté. Voilà, donc j'ai plus 2 en perception et en connaissance. Et pour le premier test d'initiative à faire, j'ai un bonus d'intuition de plus 2. Voilà. Et si jamais je peux aussi dissiper ma conscience accrue pour avoir plus 4 sur mon premier jet d'initiative. Ouais. Donc comme ça, je serai au taquet. Très bien. Voilà. C'est un sort très intéressant, effectivement. Donc tu te lances ça, tu vois tout de suite les capacités de ton cerveau qui sont un peu plus ouvertes, on va dire. Et voilà, tu as tout un tas de connaissances qui te reviennent. Ah, mais Cosinus... non, c'est pas le moment. Et vous continuez d'avancer dans ce tunnel. Je vous laisse poursuivre votre progression. Est-ce qu'on a récupéré Mayal? Moi, je suis là, oui. Ok, très bien. Je sais pas si donc, je vous laisse avancer. Il est plus ouvert d'esprit, incroyable. Je serais tenté d'aller vers la grille, perso. Alors la grille, c'est où? Parce que moi, de mon point de vue, et je suppose de celui de Mayal également... C'est en bas. Je sais pas où c'est en bas. Ah, c'est là. Ok, je viens de le voir. De toute façon, faut qu'on avance, donc je vous attends pas vraiment, j'y vais. Ah, d'accord, bah... donc tu fonces en bas. Ok, tu passes la non, grille. Non, je fonce pas, mais disons que j'y vais toujours doucement, mais disons que je les attends pas pour discuter ou quoi, parce que je pense que tout le temps qu'on perd, c'est du temps passage, risqué. Au passage, vous remarquez que dans la salle qui était juste au-dessus, il semble y avoir aussi une sorte de pupitre derrière le petit pilier qu'il y a au milieu du couloir, rapidement. Et sur le promontoire, en fait, vous y voyez des bustes de personnages. Et ainsi que des murs parcourus d'une fresque et de bas-reliefs dans cette salle. Ah, on va peut-être voir ce que c'est quand même. On va perdre des points de santé en pas, moi je dis. Ouais, je vais voir s'il n'y a pas... au moins sur l'histoire du lieu, peut-être. Ça pourrait peut-être nous aider à savoir ce que veut faire exactement Obshad. Alors, cette petite pièce est carrée, comme vous pouvez le voir.
avec un autel surélevé où sont présentés deux bustes en pierre. L'un d'eux semble être le buste d'un guerrier, surmonté donc d'un home avec une espèce de crête sur le home, une huppe, et une lance dans la main, tandis que à côté il y a aussi ok, merci. Petite assistante qui me passe des petits mots. Hop. Je boosterai un peu mon son après cette explication. Donc, vous voyez aussi donc le deuxième buste qui représente une femme qui semble être en armure aussi complète. Ok. Mais une armure de cuir avec des oreilles pointues, donc potentiellement une elfe, et une sorte de bâton dans sa main, un peu étrange. Vous observez un peu cette pièce et vous voyez donc sur les murs qu'ils sont recouverts de bas-reliefs représentant différentes scènes de combat, de quêtes et des moments aussi de camaraderie. Et en continuant de regarder les murs, vous apercevez qu'effectivement, derrière le pilier qui marque l'entrée de cette pièce, il y a une sorte de pupitre en marbre sur lequel repose un épais manuscrit qui est ouvert sur une page en particulier. Alors, mais j'y touche plus au bouquin. Ce manuscrit, vous approchez rapidement, même si vous l'observez avec... avec le monocle, vous apercevez qu'il n'y a pas signe de magie. Je me doute qu'Eldebaf s'est un petit peu méfié, étant donné son passif avec les livres. Moi j'y touche plus. Hein. Et il s'avère qu'il y a sur ce livre, en fait, apparemment la vie d'Éristée qui est retracée. Donc ça a l'air d'être une salle qui est dédiée à la vie d'Éristée et à la vie de ses compagnons, notamment. Et c'est ouvert sur le chapitre introductif de la partie dédiée aux compagnons d'Éristée, qui dit ceci. Éristée commença sa quête seule, car les dieux seuls la lui avaient confiée. Mais au départ du temple, il fut suivi de Bramidi, une fervente servante de Faérine. Il voulut refuser sa compagnie, car il pensait que son destin était d'affronter seul les embruns du tourment et de trouver l'arme qui sauverait ses terres. Mais l'opiniâtreté de Bramidi eut raison de sa détermination. Passant les montagnes, il ne put refuser l'aide de son ami de longue date, Lorgrin, artisan bâtisseur, toujours accompagné de son fier Dungrad, un marteau colossal. Sur le seuil de la capitale, le roi, touché par sa quête, ordonna à son plus grand guerrier, Uldric, de se saisir de sa lance pour transpercer les ennemis du Saint-Homme. Enfin, tandis qu'ils traversaient le royaume du Leyndal, leurs rangs furent complétés de Kaliniel, la chasseuse portée par la puissance des forêts. Dans ces chapitres, vous pourrez suivre l'épopée épique des plus grands héros de la période sombre du Premier Âge jusqu'à la bataille finale où Uldric, Bramidi, puis Kaliniel succombèrent, laissant Éristée et Lorgrin seuls pour terminer leur mission. Faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. Encore ? Bah, ça comptait pas pour tout le reste. Là, non, c'est pas... Là, c'est perception active. Là. C'est pas la même perception. Bon, il refait... Allez, 38 ! Critique ! Oh, le mec, il est là tout le temps. Kratel. Come at me, bro ! Voilà. 8 pour Mivy, un 21 pour Eldebaf et un 13 pour Mayel. Eldebaf ainsi que Kratel, vous observez un peu cet ouvrage et en retournant la couverture, vous apercevez que cet ouvrage a été écrit par le dénommé Lorgrin. Ok. Donc qui a été cité notamment dans le livre. Le mec s'est fait son propre évangile, c'est pratique ça? Ouais. Un peu l'idée. Les noms, ça me rappelle pas quelque chose? Si, Uldric, ça me rappelle quelque chose, perso, mais. Je me dis que c'est peut-être qu'un hasard. Il n'y avait pas un Uldric?
mais pas. Bah, le... Non, vous avez. Dans vous la maison hantée, croisé, le. Non, non, vous avez croisé un Elric. Ah. Et sinon, je ne sais plus comment. Ça admettra que c'est proche quand même. Oui, c'est proche. Mais bon, je ne sais voilà. Plus comment s'appelait le grand-père de. Ah si, c'est Ezrock. Le grand-père de d'Obeshev, c'était voilà. Ezrock. Donc rien à voir. Bref, ok. De toute façon, il y a Anguille proche, mais... Lui qui était un bâtisseur avec son marteau, leur grain, est-ce qu'il aurait bâti le temple d'Eristée après qu'il soit mort? Et est-ce que dans le livre, du coup, il n'y aurait pas une carte avec un plan? Vu que c'est lui qui l'a écrit. T'as tu vérifié ça le plan. On peut vérifier ça. Je peux vous dire ce que vous trouvez dans ce livre, hein, étant donné la réussite critique de Kratel. Vous parcourez oh, rapidement le livre... Vous apprenez qu'effectivement Lorgrin a été l'artisan donc de cet endroit, donc le dernier repos d'Eristée. Cependant, vous ne trouvez pas de plan. Vous savez juste que cet endroit a été pendant longtemps justement ouvert aux pèlerins qui pouvaient venir pour se recueillir sur notamment l'autel qui contient tous les. Les reliques associées à Eristée, notamment bah, la plupart du temps c'était ses organes qui avaient été sanctifiés, on va dire, pour être présentés dans différentes villes et porter un hommage à Eristée, venir voir aussi la geste de ses compagnons et le reste était généralement fermé par une grille qui empêchait les pèlerins d'aller dans les parties qui ne leur étaient pas réservées, parties qui n'étaient réservées qu'à ceux qui souhaitaient se confronter à mes alliés et savoir s'ils étaient dignes des enseignements d'Eristée. D'accord. Et comment ils se confrontent à mes alliés, c'est pas écrit? Non, ce n'est pas écrit. Tout ce qui est décrit, c'est que il y a une série d'épreuves à passer. Qui requiert à la fois de l'intelligence, mais aussi quelques connaissances et une grande ferveur envers mes alliés. Donc potentiellement les épreuves okay. avec les gardiens dont il parlait. Vous apprenez aussi dans le livre que Lorgrin prévoyait à sa mort. De se faire aussi inhumer en cet endroit. Comme les compagnons d'Eristée qui s'étaient fait inhumer ici avant lui. Non, on va combattre leur squelette, je sens. C'est pour ça qu'il fallait 5 sacrifices, ça se trouve, ils étaient ravivés. Bon. Ils étaient 5 au total avec Eristée, tout à fait, 4 compagnons et Eristée. Donc c'est peut-être pour ça ouais, qu'il voulait 5 sacrifices aussi. Oui, mais c'est bizarre pourquoi ils voudraient les ressusciter eux. Je sais pas. Parce qu'ils sont puissants de base et qu'une fois ressuscités par la. Convertir. Par la nécromancie, ça ferait des super squelettes of Doom, tu vois. Super. Bon, continuons d'explorer, il y a peut-être un truc. Faisons ça. Il y a peut-être un truc littéralement là parce qu'on sait qu'il y a un truc. Il y a un truc. Kratel est d'accord. Avant de traverser cette grille, parce que Kratel veut tout explorer tout de suite, moi je voudrais bien aller un petit peu à gauche. Là. Allons okay. à gauche. Eh bien, ouais. vous allez à gauche, tout à fait. Vous avancez dans ce tunnel qui tourne sur la droite, avant de, semble-t-il, retourner de nouveau sur la gauche. Oh là là, on drift. Alors que mon avatar drift sur la map. Vous détectez toujours rien. Il y a pas un bruit, pas rien. Non, pas un bruit. Oh ouais, j'avance très doucement parce que c'est ça. Je laisse mon temps, je laisse mon personnage le temps de s'adapter. Je suis persuadé que si on doit tomber sur quelqu'un ou quelque chose, ce sera dans les profondeurs et pas tout de suite. Ouais. Mais au cas où, on regarde. Alors attendez, juste deux secondes. Moi, je suis du. Calceron, je te l'ai envoyé en message privé sur Twitch, le code. Je vois que tu fais la demande de plusieurs codes à la fois, tu vas me faire bugger mon Twitch. Quoi?
se passe des choses incroyables sur Twin Peaks. Je vois des personnages en double qui reculent, qui avancent, qui reculent. Génial, c'est hanté. Alors, il est hanté du cul. Hop, chat, tu nous as maudit. Elsero, si tu n'y arrives pas, je vais m'occuper des votes. D'ailleurs, je vais lancer le second Stropole dès maintenant pour les viewers. Mais c'était quoi le premier? On n'a pas eu le résultat. Ah, c'est bon. On saura pas. Il faut voter pour faire apparaître des morts vivants, dites non. Vous saurez. Ouais, c'est ce que j'allais dire. La rediffusion, ce qu'ils ont voté. Donc. Comment faire des views? Vous avancez dans cette petite salle, semble être effectivement une salle de prière, plutôt. C'est une grande salle, bon, j'ai dit petite, mais c'est plutôt une grande salle dans sa largeur, même si elle est plutôt basse de plafond. Elle pouvait être illuminée à son époque par des braseros qu'il y avait dans les quatre coins de la pièce. Aujourd'hui, ils ne sont plus remplis que de cendres. Cependant, la salle de prière garde encore toute sa majesté. Hein. Elle a une voûte centrale qui est soutenue par deux colonnes ornées de crânes qui vous rappellent au passage que vous êtes là dans le royaume des morts et que c'est un lieu d'hommage et de présence d'un défunt. Et vous avez deux bancs donc, qui sont installés, qui peuvent permettre de s'asseoir pour prier. Et il y a un prie-dieu aussi, installé devant un petit autel, sur lequel est exposé un reliquaire d'or. Et de chaque côté de l'autel, vous retrouvez une statue de Méallier et de Crous. Et donc ce reliquaire semble être le fameux reliquaire où on retrouve les organes d'Éristée qui ont été sanctifiés. Et qui sont donc des reliques saintes reconnues par le culte de Méallier et qui permettaient en leur temps de rendre hommage au saint homme dans différentes villes et dans tout le royaume. Pillons tout ça. Le mec qui... Voilà, ça vaut sûrement beaucoup d'argent. Sinon, dans cette salle, pas beaucoup d'informations. C'est une petite salle qui semble... Bien qu'elle soit particulièrement apaisante, quand on s'y trouve, il n'y a rien de particulièrement intéressant. Ok, Cassos. Il n'y a pas de sous dans les urnes. Mais arrête de donner raison à Kratel. Il va vraiment vouloir bypass tout le donjon. On va pas fouiller là, c'est typiquement le genre de... Non, on va pas fouiller, non. Bah non, on va pas fouiller. Non, puis c'est... Il n'y a pas de piège. Disons que c'est ni le moment de se fâcher avec moi, ni de se fâcher avec Crous, quoi. Bah, c'est ça. Non, oui, Crous, ni Méallier, hein, pour précision. Parce que Méallier aussi c'est plus à côté. C'est plus Méallier. Pas grave, ça sera Méallier. Bon, allez. On y retourne. Allez, s'il vous plaît. Soutenez ma blague. Demi-tour. Quoi, vas-y, redis-moi. On l'a pas entendu, ta blague. Non plus, je l'ai pas entendu, non. Ce sera pas Méallier, ce sera Méallier. Bref, on va avancer. Que tu peux l'écrire dans le chat. J'ai pas le droit d'aller sur le chat. Non, mais le chat de Roll20. Allez, le chat de... on avance. Allez, on y va. Vous, allez, vas-y, Mayal. Votre progression. Non, mais Mayal, elle avance. Alors, je rappelle que pour voter, il vous faut indiquer, donc noter le numéro dans le chat et ça va être pris directement en compte dans le vote, donc n'hésitez pas à voter pour cette deuxième option qui vous est proposée. Ouais, alors, vous êtes face à un nouveau carrefour, un T avec à droite des escaliers qui descendent un peu plus profondément, et au fond, vous voyez une légère lueur émané d'une pièce qui semble s'ouvrir sur la droite. Bon bah go la lumière, hein. Ne suivez pas les lumières. Pense à la lumière, Kratel. Va vers la lumière. Je vous laisse avancer du coup. J'y vais. Un visiteur venu. Alors, tandis que vous avancez dans ce couloir, vous êtes d'abord saisi par une odeur qui vous vrille le nez. C'est une odeur de chair brûlée, qui est plutôt intense.
voyez alors, au niveau de cette pièce, un brasero dont les braises sont encore incandescentes. Il illumine encore timidement donc cette scène macabre. À la lueur de cette lumière tamisée et des lumières dansantes de Mibi, vos yeux se posent sur un corps décharné, dont les traits de souffrance vous laissent imaginer le calvaire qu'il a vécu. Ses chairs sont horriblement brûlées. Des lambeaux de tissu, vestiges d'une tunique qu'il portait précédemment, sont en partie fondus et collés à sa peau, déformés. Et dans sa main crispée, vous distinguez un morceau de parchemin. À ses jambes, il y a un amas blanchâtre et figé qui le recouvre en partie. Et je vais vous... Ah non, vous avez déjà fait le jet de perception, donc vous identifiez que ça semble être encore chaud, un peu fumant, et qu'il semble s'agir de cire, une sorte de cire qui l'a brûlée. Et elle est accumulée au pied d'un trône de pierre à côté duquel vous distinguez un bénitier. Et what the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette scène? Il y a de la cire, un mec qui a un parchemin dans les mains, un bénitier, un brasero, un trône. Qu'est-ce qu'on regarde là? Quelqu'un m'explique? Un kink BDSM qui a viré très très gore. Modérateur, vous pouvez clore ce vote. Vas-y, elle va t'asseoir sur le trône. Ouais. Et puis en fait non. En fait. Alors je rappelle, il y a un petit morceau de papier aussi qui semble froissé dans la main de. Ouais, c'est ça. Il a un parchemin, ouais, c'est ça. Vas-y, demain va récupérer le papier, vas-y. Non mais attendez, on n'a pas un store là qui permet de. Voilà, on va arrêter avec de dire elle de baf fait si fait ça. C'est pas Jacques Adi, hein. On va plutôt faire en mode. Est-ce que on a un comment c'est pas la main du mage. Il y a pas un truc comme ça. On n'a pas de façon. Si manipulation à distance, le sort de voilà. Mibi maîtrise. La manipulation à distance. Après, j'ai envie de dire que je suis enquêteur, donc c'est un peu mon boulot d'examiner les scènes de crime. Je pense pouvoir juste visuellement essayer de faire des trucs déjà avant de commencer à toucher à des choses. Ce que je vous propose, c'est que j'examine la scène et on avise. Ouais, ok, vas-y, examine. Utiliser la magie, c'est quand ça t'arrange, en fait. Hein. Alors, en observant, la scène et la pièce, tu observes que, semble-t-il, effectivement, le brasero est servi à faire fondre cette cire et à y mettre le feu, puisque tu vois des traces de braise qui s'étalent entre le brasero et le tas de cire. Tas de cire qui, effectivement, fondu, tu vois qu'à certains moments... Il semble y avoir des morceaux qui ne sont pas encore fondus et qui semblent représenter potentiellement des membres humains. Donc tu vois une main encore ou une partie de main qui en forme de enfin qui est formée de cire hein, qui semble s'échapper de ce monceau de cire et tu vois que l'homme qui est au sol a essayé de semble-t-il de combattre, tu vois, des traces un peu de lutte au niveau des mains, sous les ongles, etc. Et tu vois qu'après, il semble plutôt avoir essayé de s'enfuir et semble avoir été figé dans la cire et avoir souffert d'horribles brûlures. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah ça ressemble à un meurtre rituel à moitié, je sais pas trop. Il s'est battu, puis après il a essayé de s'enfuir, c'est ça? Enfin, c'est trop bizarre. Qu'est-ce qu'il combattait? À mon avis, il s'est battu. Honnêtement, je suis d'avis que c'est pas le moment de résoudre un crime compliqué, enfin, d'autant qu'on est à peu près sûr de qui est coupable. Donc je propose que malheureusement on en reste là pour l'instant et on aille s'occuper du responsable. J'ai quand même une question. Le papier, il le tient dans la main? Oui. Il le tient dans la main. Bah du coup je peux pas le récupérer. Hein. Pourquoi? Parce que faut pas que t'es pas sûr que la main résiste trop à partir du moment où tu tires dessus. Hein, Ouais, ton toucher du je sais plus quoi là, ça permet non, de faire mais des bon. De bouger. Non mais c'est bon, je prends le papier. Ok. Hein? Je pense que ça vaut. Non mais il est mort. Tu te saisis du papier. Mais... Effectivement, il est bel et bien mort. Et alors, il avait la main qui était resserrée sur le papier comme crispée dessus. Tu
arrive à t'en défaire, à tirer dessus, sa main reste en place, crispée, et tu t'aperçois qu'il s'agit d'un plan. Tout simplement. Aha. Hop. Je vous le montre. Mets à disposition. Et je vais. Plan du tombeau. Sur le live également. Vous avez ce plan qu'il avait dans la main, dans lequel il semble qu'il ait fait quelques annotations. Vous avez le nom du repos d'Éristé hein, qui est noté et différentes choses qui sont notées. Je vous laisse le décrire et le décrypter. On va voir ça. Oh non. Bah, visiblement, la chambre rituelle, c'est la porte. 1+2+3. À mon avis, faut faire les rituels au 1, au 2 et au 3. Ouais, là il était au 1. Wow, mais il doit y avoir des passages secrets quelque part. Ouais, bah en fait, s'il a déjà mené les rituels, faut qu'on aille le retrouver dans la première salle pour lui péter la gueule. Ou alors on essaye de speeder jusqu'au 3 pour l'intercepter. Fatal, tu observes qu'il y a. Qui semble. Non seulement y avoir des... Alors c'est pas très très simple parce que tu vois cette cire qui était encore un peu chaude et encore liquide, tu vois qu'à certains endroits la cire c'est... Enfin, dès qu'on s'éloigne un peu de l'amoncellement, la cire a figé. Mais tu vois qu'il y a quand même des zones qui restent humides, notamment au niveau du bénitier, et tu vois qu'il y a de l'eau en fait qui est sortie du bénitier. Comme des éclaboussures autour du bénitier. Qu'est-ce que je peux retirer de ça? Que ça peut nous servir de prendre de l'eau bénite? Peut-être. Oui, ça peut nous servir, oui, mais... J'avoue que je suis confus, là. Il y a des trucs qui me... J'arrive pas à additionner 2 et 2, là, j'avoue. Bon, le rituel, il dit 1+2+3 dans la salle du rituel en haut à gauche. Après, il y a cette salle-là où apparemment il y a un premier truc, une salle un peu en dessous, un deuxième. Ah, mais il y a potentiellement un passage secret ici même, non? Oui, mais pour aller où les passages? Il y a une phrase qui dit des passages, mais où? Il semblerait que la personne qui est décédée là avec son plan n'avait pas encore eu le temps de découvrir les passages secrets avant de décéder. On peut peut-être fouiller? Enfin, moi perception avec mes histoires de j'aime bien la roche et compagnie, et puis même Kratel, hein, là il doit tout voir lui. Et c'est peut-être dans le bénitier justement qu'il y a eu. Non mais là vu le plan, moi ce que j'en retire c'est que on est complètement dépassé. Enfin, on est en retard clairement. Bah, là oui. Je serais d'avis d'aller du coup à la salle du rituel et de parce que là en fait on perd du temps à mon avis. Le rituel, tu penses qu'il est déjà fait? Je pense qu'il est soit déjà fait, soit en cours. En fait, le truc, c'est qu'il ira forcément ici. Enfin, il ira forcément dans la salle du rituel à un moment ou à un autre. On peut pas l'empêcher de faire les rituels le temps qu'on les trouve parce qu'on sait pas du tout ce qu'on va croiser dans les couloirs. Donc, moi, personnellement, ce que je dis, c'est qu'on va directement à la salle qui est censée être celle du rituel et puis on avise sur place. Soit on la piège ou on essaie de voir ce qu'il va en faire pour essayer de l'en empêcher en avance. Soit on tombe sur lui et on lui marave la gueule. Ou alors... Ouais, vas-y. Ou alors, on speed jusqu'au 3 et les tunnels annexes, c'est les passages secrets. Et dans ce cas-là, on trouve le passage qui est ici pour potentiellement prendre de l'avance. Et autour du 3, il n'y a pas trop d'indications. Donc potentiellement, il n'a pas été trop exploré ça. Il y a peut-être des passages autour du 3. Et on peut peut-être justement le rattraper jusqu'ici. C'est vrai que la cire est encore chaude et que le bénitier a été. Il y a encore de l'eau par terre qu'on devine, donc ça veut dire que ça n'a pas eu le temps de sécher. Ouais. On le reconnaît pas, le gars au sol, il est brûlé de partout. Non, 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 là en plus il est irreconnaissable. Faut pas pour le 3, allez. Non, mais go pour le 3, mais du coup on. Moi, je serais bien allé à la salle du rituel, hein, quand même, pour voir ce qui s'y trame. Je veux dire, il va peut-être avoir des indices sur ce qu'on doit s'attendre au 1, 2, 3. Des choses comme ça, quoi. Il y a sûrement des indications.
En plus, c'est une salle où on arrive en premier. Pour moi, c'est une salle qu'on devait explorer, hein, pour comprendre un peu sur quoi on allait tomber par la suite. Bon, Maya, semble... tu veux faire quoi? Bon, je sais pas, je suis en train de demander là, pourquoi il y a des pièces avec des dés et des points d'interrogation et une pièce avec un T. Il y a un chiffre et une lettre. Les dés, c'est les passages, non? Ah non, en fait, je... Il y a des T. Bon, je pense que là, on perd du temps. Faut qu'on se décide. Soit on va à la salle du rituel, soit on va vers la 3. Mais faut qu'on se décide maintenant. Je vais voir si bah, les bénitiers avant. Ok. Je regarde, je touche pas. Donc, fais-moi un jet de perception. Je suis doué à ça. 11. Yes. C'est compliqué. Tu prends vraiment du temps à observer. Tes camarades, ils sont en train de dire « Ah, mais c'est bon, on se casse. » Puis, au bout d'un moment, t'es... « Non, mais attendez, il y a un truc au fond. » Pas sûr de ce que voilà. C'est, mais il y a un truc au fond. Bah, je vais chercher le truc au fond. Je pense que c'est un levier. Ok, quand Kratel, tu t'approches pour voir ce qu'il s'agit au fond, en fait tu t'aperçois que ça a l'air d'être un petit renfoncement dans la pierre qui est un peu circulaire et à peu près de cette taille là, et quand tu appuies dessus, tu sens que dans ce renfoncement la pierre s'enfonce et t'entends un clac. Et derrière, dans les murs autour, tu entends tout un bruit, un peu de mécanisme, qui semble faire... D'accord. What the fuck? Qu'est-ce il que y t'as a longtemps, donc c'est proche. Est-ce que notre ami Eldebaf remarque des irrégularités dans les murs? Alors non, là où vous êtes, vous repérez rien. Là, il n'y a pas l'air d'y avoir de passage dans cette pièce. Vous avez beau passer sur tous les murs comme ça, il n'y a pas de passage. Ok. Bon. Moi, je reviens en arrière. Hein. Je vais revenir dans les salles d'avant. Ici, il a dû se passer un truc. Le fait d'actionner un truc en 1, puis 1, 2, puis en 3, ça peut pas ouvrir en entier la porte du rituel ou un truc comme ça. Ça se trouve, c'est ça, en fait. Autre, et là, on va Moi, je retourne à la salle du rituel. Faites ce que vous voulez, j'ai décidé que j'y allais, tant pis. Bien sûr, séparons-nous. Mais lui, il voit dans le noir, donc lui, il s'en fout. D'accord, moi, j'ai envie de savoir ce qu'il y a. Faites ce bon vous semble. Alors, donc, je regarde la porte. Parti à la porte. Bon, bah, je te suis, hein. Tu constates une chose. Ouais, le baf qui est arrivé en avance à la porte, c'est que au niveau des trois mains qu'il y a sur la porte, tu constates que. Une des mains, il y avait trois mains qui étaient en renfoncement représentées sur la porte. Il y a une des mains qui est ressortie. Ok, bon, bah voilà, on a une explication. Il faut activer les trois bidules dans les trois pièces pour pouvoir ouvrir la porte du rituel. Ah mais putain, mais lui, il l'avait pas fait du coup. Du coup, on l'a. Ah, ou ça c'est. Une fois qu'il a refermé la porte, une fois qu'il était passé, voilà. Il y a sûrement sur le gardien, c'est peut-être le truc qui l'a empêché de faire ça. Non, mais en fait, t'as raison, il est sûrement déjà dedans, mais. Juste ouais, bah, du coup, il faut qu'on se tape le même parcours que lui. Bon, bah, faut qu'on speed, hein, direction le 2, et puis on. Maintenant qu'on a le plan, on va pas se. Ok, maintenant qu'on comprend un peu ce qu'on fait, hop, on peut peut-être y aller un peu mieux. Il y a peut-être quand même un passage, mais on l'aurait repéré. Au niveau des escaliers, qui continuent de descendre, vous voyez qu'en bas de ces escaliers, il y a une nouvelle séparation du chemin. Il semble donner sur à gauche et à droite deux entrées de salles que vous reconnaissez comme étant potentiellement la même salle si vous regardez le plan. Oui, tout à fait. On va à droite. Donc, droite ou gauche, hein, à vous de choisir. Droite. Droite. Je crois en l'instinct d'Eldebaf. Moi j'aurais dit à gauche là dans le petit renfoncement et qu'il y a un passage secret parce qu'il faut pas passer par les entrées directes. Ouais mais à droite c'est pas vraiment l'entrée directe. Hein. Moi je dis c'est un peu. Mais à gauche c'est un peu l'entrée plus loin, hein. Tu vois. Plus loin entre les deux pièces. À gauche plus loin. Attends, laisse-moi revoir le plan.
T'as deux entrées directes, et encore à gauche, t'as un truc qui mène nulle part. Ah oui, tu penses ça aurait rebiqué sur la pièce. Ouf. Oh, autant passer par là, allez. Alors moi, par contre, je dois tomber sur une porte fermée, j'imagine. Oui, les portes sont fermées pour l'instant. Alors, elles ont pas l'air d'être fermées à clé. Il vous suffit de clencher la porte pour l'ouvrir. Dites-moi juste laquelle vous ouvrez. Alors, que je vous ouvre le passage. Stop avant d'ouvrir. Stop avant d'ouvrir. Oui. Où est-ce qu'on a des armures de mage à lancer? Bah, je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je sais pas si je le claque maintenant ou si j'attends un peu. Alors, regarde la durée de ton armure de mage. Bah, c'est une heure, mais je sais pas, je me rends pas compte de. Une heure? Mais on l'a fait tellement maintenant. Mais une heure, mais c'est large. Là, ça fait combien de temps, à titre de comparaison, qu'on est rentré dans le tombeau des récités? Là, ça doit faire... le temps que vous exploriez, vous y allez un peu à tâtons, ça doit faire une... peut-être... 20 minutes. Bon 20 minutes. Ouais, un bon 20 minutes. Moi, je dis, on a eu de la chance sur le premier loquet à activer. Moi, je dis, sur la deuxième salle, on n'aura pas autant de chance. Ça m'étonnerait. Ce serait trop facile. Je pense qu'il faut... Là, on peut se permettre de... Vu qu'il est dans la salle du rituel, à mon avis, on n'a plus à se préoccuper d'être discret ou quoi, on fonce. Hein. Donc, on se protège pas. C'est parce que l'armure de mage, c'était ouais, ça. On c'était a pour encore se protéger. La non, je pense qu'il faudra faire... je pense qu'il faudra faire ça que quand il sera, lui... Ok. Je comprends et je suis d'accord. On fait plutôt ça au dernier moment. Parce que là, c'est vrai qu'on a encore de quoi se soigner et on est tous full vie. Eh ben, je veux bien ouvrir la porte. Tu ouvres la porte, si vous êtes bien. Alors, la porte est ouverte. Ouais, il y a un pégu. Oh là là, il y a quelqu'un. Cette grande salle est accessible par deux portes au nord. Elle est illuminée par deux bénitiers dont l'eau semble luire d'une froide lueur bleutée. Ruisselle de ces bénitiers et lorsqu'elle semble quitter le bénitier, elle ne semble plus être que volute de fumée. Tu veux ouvrir l'autre porte aussi, Kratel? Non, je suis désolé. je galérais à bouger mon token. J'arrive. Okay. dans une petite alcôve, sur un promontoire en pierre, alors je vous invite à rentrer dans la pièce. Ouais, c'est ce que j'allais dire, moi je suis bien dans l'entrée. Hein. Il y a une jarre pleine de pièces d'argent, hein, semble-t-il, et une épée en marbre blanc. Ah. Et au centre de cette pièce trône entre deux colonnes un homme ressemblant trait pour trait à la statue que vous avez pu apercevoir à l'entrée. Il semble garder une porte qui se situe juste derrière lui, et au moment où vous êtes rentré, vous le voyez qu'il lève la tête, l'air impassible. En regardant cet homme avec un peu plus d'attention, vous vous apercevez qu'il ne semble pas avoir bougé depuis très longtemps. Et que des toiles d'araignées l'ont en partie recouvert. Et au moment où il bouge la tête, vous voyez certaines de ces toiles d'araignées qui s'étirent sans se briser. Hein. Elles ont l'air d'être assez solides pour ça. Et il se tourne vers vous. Soyez les bienvenus, pèlerins. Vous êtes certainement ici pour collecter mon savoir. Mais pour cela, il vous faudra répondre à quelques questions. Dites-moi, selon vous, quel doit être le rôle de la foi? Oh là là. Elle. La foi ou le foie? C'est un genre de perfoura. La foi. C'est pour toi, Kratel. Est-ce qu'on peut chercher peut-être des informations dans la salle de... La salle, c'est des murs de pierre taillés, mais il n'y a aucune inscription dessus. Vous voyez juste quelques décorations, mais aucun sens réel sur ces décorations. Il ne peut pas y avoir des indices dans le livre qu'on a vu au début. Si c'est lui qui l'a conçu, le temple... Ça n'a pas l'air de concerner la foi, hein, le livre que vous avez croisé. Non, mais c'est vague comme question. C'est la vision de la chose. C'est ok bah, si on fait le tour du proprio. Je vais canaliser mes connaissances religion vis-à-vis d'Éristé pour voir ce qui, selon Éristé, serait... Okay, j'imagine que j'ai quand même eu quelques notions sur ces questions-là. Ouais, fais un jet de connaissances religion avec le bonus que tu as lié à plus 2 à ton sort. Ça nous fait un 20. Ça nous fait un 20.
Très bien, très beau score. Tu sais que, alors Méalié, c'est une déesse qui est loyale bonne, et qui du coup prône le fait que la foi véhicule un certain nombre de vertus, que c'est un exemple à suivre et qu'elle donne en fait un idéal de vie et un objectif à atteindre à ceux qui la suivent. Bon bah voilà, on dit tout ça. Ouais, c'est un idéal de vie, c'est une vertu. La foi donne un idéal vers lequel tendre, un objectif de vie. Ouais, on devrait tous faire ça, le truc là, la foi. Bien. Elle de baffe, laisse-moi. Bien. Vous êtes des pèlerins éclairés. Et quelle est votre vision d'une communauté parfaite? Ah, d'accord. Tu vois, Eldebaf, t'as trop une parlé, j'ai pas entendu. Une communauté qui s'entretue pas, mais qui s'entraide. Quelle est votre vision d'une communauté parfaite? Une communauté qui s'entretue pas, mais qui s'entraide. Puisque ouais, qui discute. Eux, ouais. Quand c'était le premier âge, ils se sont entretués et tout. Ouais, c'est pas cool. C'est la chose à ne pas reproduire. Oui, bien. Et que construiriez-vous au cours de votre vie pour aider cette vision à s'accomplir? Ça va être des temples, tout ça. Je dirais d'être cohérent avec la parole qu'on prêche. C'est-à-dire. Ça me paraît un bon début. incarner le changement qu'on veut voir dans le monde. Le changement, bien. C'est maintenant. Bravo, Miss France. Et quel genre de changement? Oh là là, c'est précis vos questions. L'entraide entre les peuples et les gens, propager la foi qui permet de tendre vers un idéal bienveillant, tout ça quoi. Propager la foi. Construire donc des autels aux dieux pour inciter les gens à se tourner vers la foi. Non, pas forcément. Je pense que j'irais plutôt du côté d'un prosélytisme doux et non capitaliste dans l'idée. Quelque chose de plus performatif. Capitaliste. Bien, mais de quoi il parle? Allez-vous parler. Vous êtes digne de mes enseignements. Allez et vivez en harmonie. Et vous le voyez, après, en fait, se réinstalle sur le fauteuil. Le même fauteuil. Strictement le même fauteuil que ce que vous aviez croisé dans l'autre salle. Il se réinstalle dans le fauteuil et semble se refiger dans une position d'attente. Et les araignées reprennent leur petite vie autour de lui et sur lui. Merci. Et tandis que vous avez répondu à ces questions et qu'il se refige, vous avez la porte qui est derrière lui qui s'ouvre. Pour vous donner accès à une nouvelle zone. On est trop intelligent, on a réussi. Je lui passerais bien un coup de plumeau, moi. Vous avancez dans cette petite pièce qui semblait cachée derrière cette porte pour y découvrir un nouveau bénitier, comme celui que vous aviez croisé dans la zone numéro 1. Un bénitier dont il ne sort aucune lueur magique. Dans celui-ci, mais où dans le fond vous pouvez de nouveau retrouver ce petit renfoncement avec un petit bouton. Il est situé juste devant une statue de Méalié qui semble sourire à l'approche du pèlerin. Mais du coup, Obshat, il a répondu bon aux questions de machin. Bah, il est étudié. C'est facile en même temps. Ouais, il devait connaître un peu la religion d'Eristée et compagnie, quoi. Vous en déduisez que sur le premier gardien, ça ne s'est pas aussi bien passé. Ah ouais. Ouais, il y a eu un mort, quand même. Voilà, il s'est dit, je vais réfléchir. Bon, on appuie sur le petit bouton qu'il doit y avoir. Oui. Ouais. Cliquez sur le petit bouton, vous appuyez sur le bouton, vous l'enfoncez, vous entendez de nouveau... Ça résonne vachement, il a dû nous entendre arriver. Bon, et bah, une petite chose aussi que vous remarquez,
vous remarquez derrière la statue de Méallier une petite main des guérisseurs gravée dans le mur. Petite main aussi, un peu comme celle que vous avez vue sur la porte, mais qui est juste gravée en bas-relief. Ouais. Et avec une sorte d'aura autour, et en regardant bien, vous avez le debaf qui s'intéresse au mur, qui regarde derrière. Ah, il y a l'air d'y avoir un passage par là. Il y a des trucs par là. Ok, comment l'active? Comment on se faufile? Bah c'est activé là, non? Bah non, c'est... Ouais, on clique. Je sais pas, est-ce qu'il y a des traces au sol, voir si la statue, en fait, elle aurait été déplacée? Captain bouge, ouais. Non, pas de traces au sol. Il semblerait que l'ouverture se fasse plutôt en glissant dans le mur. En glissant dans le mur. Le pan de mur glisse dans l'autre. Ah d'accord, c'est un genre d'ouverture japonaise. Très bien. Voilà, on va dire ça. Est-ce que la fameuse ouverture japonaise du Brennec. Elle a toujours sa larme sur sa statue, là. Oui, elle a toujours la larme sur sa statue. Sur la statue, ouais. Ah, parce que j'allais dire que sinon, il faut lui remettre de l'eau bénite pour faire sa larme, peut-être. Ah. C'est une idée intéressante. Si peut-être qu'effectivement, la solution est liée à Méallier. Liée à Méallier. Oh, et ben, on lui met un peu d'eau du bénitier sur la figure. Okay. Vous aspergez la statue et rien ne se passe. Ouais. Oh. C'était une main de quoi derrière? Une main de soin ou je sais pas quoi, non? Jamais. Symbole de la main des guérisseurs, ouais. Symbole des guérisseurs. Ah mais. Il faudrait pas lui lancer un petit coup de baguette magique qui guérit, non? On peut essayer, c'est pas. Ah oui, mais attendez, on va pas une charge. Mais on va pas utiliser. Ouais, mais c'est pas très cher payé pour juste essayer. Okay. Allez, j'essaye. Ok. Alors, au moment où tu essayes. Allez, de lancer ce sort sur ce pan de mur. Dans un premier temps, tu demandes si ça a marché, puis au bout de quelques secondes, qui toi te paraissent être une éternité, tu vois en fait la lueur autour de la main qui commence à luire, commence à briller, et le mur qui s'ouvre progressivement. What? Oh là là, c'était la bonne réponse, mais de ouf! Félicitations Mayal, tu auras droit à un avantage sur le jet de ton choix, ou si jamais le jet ne te plaît pas, tu pourras le relancer et choisir le meilleur jet. Waouh, mais Mayal for the win. On peut prendre l'avantage en PO? Non, mais... on prend pas les... Ah, attends, mais... Eldebaf, au moment où tu t'avances dans ce tunnel, tu t'aperçois que le sol du tunnel est relativement spongieux. Et plutôt humide. C'est pas palpable. Tu sens quand même la pierre, mais c'est juste que tu te dis ah, il y a l'air d'y avoir une infiltration là-dedans et c'est potentiellement glissant. Donc je vais à tous vous demander un petit jet de réflexe en entrant dans ce tunnel. Alors c'est dans l'onglet défense. Tout à fait. On est en train d'arriver de plus en plus proche. Le 22 en réflexe. Allez, qui c'est qui peut... Oh, là, Mibi, Mibi peut tester apparemment. Réussite critique pour Mibi, 25, Mibi qui glisse en maîtrisant total sur le sol du passage secret. Kratel 17, c'est réussi aussi, et Mayal 14, c'est réussi également. Bon, vous êtes relativement prudent, Eldebaf a eu un petit au début, et il vous a juste prévenu, attention ça glisse, et du coup vous en sortez. Attention, ça glisse. Voilà, vous on avancez va les dans ce tunnel, vous voyez qu'il y a un nouveau carrefour à cet endroit là, avec encore un nouveau mur sur lequel il y a aussi une petite main. Une petite main auréolée et le tunnel qui continue également en face donc du virage que vous allez prendre vers une petite pièce. Alors là à gauche là ici il se passe rien là c'est un cul de sac après. Si je t'ai dit il y a une nouvelle main. C'est là où il y a une. Ok. On a quand même eu de la chance de tomber sur cette baguette de soins, dis donc.
Ouais. Comme si on avait les clés pour résoudre ces énigmes. C'est incroyable. On va utiliser une autre charge, hein. Vous ne vous souvenez pas forcément de ce que vous a dit la prêtresse quand elle vous a donné la baguette. Mais la baguette. Il y avait un petit mot avec. Ah. Ok, on l'a peut-être zappé le petit mot, en effet. Alors ça va nous ouvrir les portes du temple, un truc comme ça, non? Non, c'était juste que ce serait pour vous d'un grand secours dans le tombeau. Par ses âmes vers la guérison. Voilà. Ouais, mais nous on avait compris qu'on se faisait poutrer la gueule, quoi, c'est tout. Ouais, non, mais tout à fait, ça peut aussi être interprété comme ça, hein, tout à fait. Ah ouais, je veux. Vous voyez en fait. Moi je vois ce qu'il y a en bas. Pièce. Hein. Vous voyez une petite pièce en bas qui est relativement carrée, où vous voyez qu'au centre il y a un autel avec un carquois posé sur cet autel. Ah et. Tandis que vous avancez, vous voyez que sur l'intégralité de cette pièce aussi, il y a une sorte de bas-relief, de gravure de différentes scènes de chasse qui représentent des elfes aussi, dans des bois, avec un roi et une reine, notamment, qui regardent une femme elfe qui est agenouillée devant eux avec une sorte de tendresse sur le visage. Et vous avez donc ce carquois qui est posé sur cet autel. On peut le regarder okay. Plus en détail. Est-ce qu'il y a de la magie ? Mayel, en entrant dans la pièce, n'a rien déclenché à ce que je vois. Non, Mayel n'a rien déclenché. Alors, est-ce qu'il y a de la magie ? Vous voyez une aura orangée sur ce carquois. Fascicule. Vocation. Une aura orangée. Orangé, invocation, orange. Alors du coup Mayel, quand tu t'approches pour regarder un peu plus, tu vois qu'il est il est ouvragé de différentes petites feuilles de lierre et c'est un cuir qui est très bien travaillé, qui est magnifique, qui vient manifestement de la forêt. Et tu vois également que quand tu regardes en fait dans le carquois, tu vois qu'il y a trois emplacements. Bien séparé dans le carquois, mais quand tu regardes ces emplacements, t'as pas l'air de voir le fond. Oh ! Carquois sans fond, c'est pour les flèches. C'est un carquois, c'est ça, c'est un carquois magique. Alors c'est ce qu'on appelle un carquois efficace, en fait, dans lequel tu peux stocker donc différentes sortes de munitions. Voilà, donc que ce soit des flèches, des carreaux, des javelines. Ou encore des flèches un peu différentes, des flèches empoisonnées ou des flèches magiques ou des choses comme ça. Et quand tu plonges la main dans ce carquois, tu y attrapes automatiquement ce que tu souhaites et du coup tu peux y stocker beaucoup plus de flèches et tu peux même y stocker ton arc en entier si tu le souhaites. Oh. Et est-ce que je peux... Est-ce que c'est interdit d'y toucher ? On se tourne vers Kratel, est-ce qu'on peut le prendre ? Est-ce qu'il y a une plaque pression sous l'arc, sous le carquois et compagnie ? Non, vous voyez rien. Ça a pas l'air d'être piégé du tout. Kratel le confirme aussi de son côté. Bah... Oh et je pense que c'est un cadeau pour... Enfin, je veux dire, c'est dans la pièce. Enfin, c'est un passage secret. Dans le passage secret, après l'épreuve de foi, j'aurais tendance à dire que c'est un cadeau pour celles qui sont capables de se retrouver là. D'aller jusque-là, ouais. Je suis d'accord aussi. On le prend. C'est mon interprétation. Vas-y Mayal, c'est pour toi. C'est toi qui fais tout à fait intéressante et qui en vaut tout à fait une autre. Vous saisissez de ce carquois et vous... C'est un carquois quoi t'as dit ? Un carquois quoi ? Efficace. Il est efficace. Voilà. Tu peux tu mettre le plein de trucs sous dedans. Cette description sur l'onglet donc de Pathfinder. Je te laisse le noter, tu verras. Pour l'instant, ça va pas être d'une utilité extrême tout de suite. Ça va juste te permettre de stocker tes flèches, mais ça te sera certainement utile pour la suite des aventures. Bien. Mayel contente. Mayel contente. Lol. Très bien. Effectivement, j'avais pas vu qu'on avait énormément de charges sur la baguette, en fait. Ah oui, il y en a 50 à la base, donc là, il y en a plus que 49. 48
puisqu'on va utiliser sur... Oui, bah, tout à fait. Sur l'autre... Alors, vous revenez à vos moutons pour... Les trous. Revenir voilà, vers ce passage. La fameuse... Le crash de Benjamin. Ah, on a perdu Kratel. Ah, bah voilà, bah ça, comme c'est ça, incroyable. Historique, hein. C'est historique, alors ça fout le bazar dans les caméras, mais pas de panique, on les va le récupérer. Il va revenir quelques instants. Il va revenir à sa place dans l'overlay aussi. Pas de panique. Et... Je suis à ta place, Maya. On réinvoque Kratel. Oh, pareil, c'est spontané. Une petite absence soudaine de Kratel. Une heure et demie. Rien de très classique. C'est ça. Vous avez vu Kratel à un moment donné qui s'est mis à bugger devant les gravures en train d'essayer de les déchiffrer. C'est de l'elfique, hein. C'est de l'elfique littéralement. Et puis t'as tes compagnons qui font bon, tu viens, on ouvre ce passage. Et donc vous relancez un nouveau petit sort avec la baguette de soin qui vous permet d'ouvrir un nouveau passage qui donne sur une nouvelle pièce, une grande pièce. Il se passe déjà. J'aime les pièces. Ok, alors moi je ne mets pas encore un pied là-dedans, hein. Je regarde avec beaucoup d'attention, mais je n'y mets pas les pieds. Tu regardes avec beaucoup d'attention et tu vois qu'il y a également une aura, que je dise pas de bêtises, une aura d'invocation au niveau du bassin de cette salle. Alors, c'est une invocation. C'est une très grande salle qui est plongée dans la pénombre et qui n'est illuminée que par les lueurs de Mibi, et tu entends le léger bruit d'une eau qui est légèrement troublée, comme s'il y avait un poisson qui était en train de nager dans ce bassin. Et au centre donc de cette pièce, tu retrouves au milieu de quatre colonnes effectivement un bassin qui est surplombé d'une statue de Méhalier. Et dans ce bassin, vous pouvez apercevoir nombre de richesses englouties, des pièces d'or, de cuivre, des pierres précieuses et parfois même... Mayal ne regarde pas. Mayal ne regarde pas. Mayal, c'est Abou là dans Aladdin. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Moi, je la saucissonne, hein. Je la retiens. Jette le but sur Mayal. Je l'empêche d'avancer. Non, Mayal, non. On a dit non. C'est un piège. En face de vous, vous avez une porte et vous avez aussi une autre porte. En haut, à droite de vous, au niveau du mur de droite. Voilà. Si on regarde le plan, qu'on est dans la salle qui est tout en bas, avec un T et un point d'interrogation. Ah. Donc moi ce que je propose c'est qu'on perde pas de temps et qu'on aille directement à la salle numéro 3, puisqu'on a probablement esquivé quelque chose. Qui était au-dessus, ouais. Tout à fait. On a sûrement esquivé. Être une épreuve, là il y avait un truc ici. Non, je pense que... Si on regarde bien le 1, il y avait un symbole équivalent à celui qu'on a vu... dans la salle avant le 2, je pense que ce sont des épreuves. Et donc à mon avis, Obshad, il a triché avec la première. Sans doute triché d'une façon ou d'une autre avec la deuxième, parce que bon, on va pas se mentir, c'était un peu de la merde. Et du coup, je pense qu'on a esquivé la troisième épreuve. Donc on peut aller directement vers le 3, je pense. On peut bypass, ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Et on touche pas au bassin, Mayal. C'est clairement une énigme pour toi, Mayal. Hein. Vous bypassez. Romy, on reviendra. Ou est-ce qu'on peut faire, nous, une offrande? Ça se trouve, elle va nous donner une bénédiction. Tu peux effectivement faire une offrande, si tu veux. Ça, c'est pas bête. Mais pas trop. Ok, je vais prendre... Je crois que j'avais pris deux cuillères en argent chez Obshad, donc je vais en jeter une des deux dans le bassin. Pas trop bête. Tu jettes une cuillère en argent. Alors, c'est un peu original, comme... mais ça a l'air quand même d'être considéré comme une offrande, puisque tu vois au milieu de ce bassin apparaître une sorte de petit élémentaire d'eau, un petit élémentaire d'eau clair qui, du coup, quand il te voit, semble jouer un petit peu dans l'eau et t'éclabousse d'un peu d'eau en te crachant de l'eau donc dessus. Une eau très claire qui semble... comme te revigorer,
Et te... Alors bon, t'as pas perdu de points de vie, mais donc du coup, tu... Ah. Tu aurais récupéré des points de vie si, si t'en, si c'est t'en bon avais à savoir. Manqué. Est-ce que vous avez pris votre remède de la journée pour la constitution ou pas? Bien bon, on a passé plus de 10 jours de voyage depuis le temps. Donc vous avez pris votre remède, mais en soi, vous auriez conclu qu'il y aurait pu y avoir, donc aussi un abaissement de vos malus. Okay. D'accord. Alors, je okay. vois une alerte encodage en surcharge. Je pensais revoir vos paramètres vidéo. J'espère qu'il n'y a pas de soucis sur le live et que ça marche bien de votre côté. Je regarde si j'ai des messages de mes modérateurs, mais je ne vois rien. Donc j'imagine que ça marche. Donc, Arting. Que faites-vous maintenant? Bon, bah, on va à gauche. Bah, ouais. Cette porte-là? Ici, ok. Pour aller vers la salle numéro 2. Elle n'est pas verrouillée. Vous poussez la porte, elle s'ouvre. Et elle donne sur un petit couloir qui tourne immédiatement sur la gauche. Ouais, bon, c'est conforme au plan, donc tout va bien. Pour l'instant, on sert tout. Bon. J'avance toujours prudemment, hein, je fais attention où je mets les pieds, s'il n'y a pas des pièges, tout ça, tout ça. Mmh. Tout à fait. J'arrive à un escalier. Je le dis à mes camarades. Un escalier, effectivement, un escalier qui descend. Okay. Descends, dondon. Descends. Eh ben, j'avance dans l'escalier. Et vous arrivez prudemment à pour une pas me fouler une nouvelle cheville. Porte. Nouvelle porte, en effet, qui d'après le plan, si je dis pas de bêtises, on arrive à un genre de vestibule carrefour, voilà, exactement. Voilà, donc vous l'ouvrez, et vous arrivez effectivement à une sorte de carrefour avec une statue d'Éristée au milieu. Au moment où tu l'as ouvert, notamment, enfin, cela dit, il faut que je vous souligne quelque chose, vous avez entendu comme le bruit d'un mécanisme, au moment où vous l'avez ouvert, ça a fait un bruit assez lourd, de clenchage, comme si la porte était bien fermement scellée dans son emplacement, et au moment où tu l'as ouvert, ça a débloqué un système. Mm-hmm. Oui, parce qu'on n'était pas censé arriver par ici, c'est tout, je pense. C'est peut-être que c'était verrouillé de l'autre côté. Je pense, en fait, si on est arrivé de l'autre côté, on n'aurait pas pu ouvrir la porte, je pense. Elle s'ouvrait que du côté d'où on est arrivé. Ouais. Et donc, du coup, on continue aussi à gauche. Sauf que la porte, attends, on peut peut-être regarder est fermée. Alors, que je vous explique un peu plus cette pièce. Alors, que je trouve la bonne description de la pièce, parce que vous en avez squeezé pas mal. Tac, tac, tac. Elle est où? Je sens comme un reproche. Non. On lui a niqué son scénar. Dans cette petite salle carrée, toutes les portes, à l'exception de celle par laquelle vous êtes entré, semblent fermées à clé. Mais, cela dit, il n'y a pas de serrure dans ces portes. Donc, ça semble un peu étrange. Vous ne voyez pas trop comment on peut les ouvrir. Vous avez une porte à double battant sur le nord et des portes à simple battant sur le reste des ouvertures. En observant un petit peu donc la statue d'Éristée en marbre blanc que vous avez au milieu de cette pièce, vous voyez qu'il y a des trous à différents endroits. Il y a un trou donc dans la main droite, qui est la main levée d'Éristée. Il y a un trou, alors qui est la main levée, mais si je vous fais la statue, elle est comme ça. Il y a un trou dans la main gauche d'Éristée qui est comme ceci. Ok. Voilà. Il est clairement au volant. Il a une main sur son sur son truc pour passer les vitesses, le levier de vitesse, et l'autre sur le volant. Bon, oui, c'est un peu anachronique, mais on va passer. Il y a un trou également dans le sol devant lui. Et vous voyez un dernier trou, vous avez eu un peu de mal à le trouver, il y a un trou dans le mur également. Le mur derrière lui?
Dans le mur à droite, là. Est-ce que si on referme la porte, il se passe quoi? Si vous refermez la porte, vous pouvez la rouvrir. Ok. Le non-événement. Hmm. Très bien. Ok, comme s'il y avait des trucs à lui placer. Est-ce que on lui placerait pas des objets à nous dans les mains? Je sais pas, c'est genre peut-être une histoire de poids ou de je sais pas quoi. C'est un creux ou c'est vraiment un trou, genre C'est vraiment un trou, mais même un trou qui semble s'enfoncer de manière, comme ça. Et c'est pas très très grand, ça doit faire à peu près cette taille-là, quoi, le trou qu'il y a à chaque fois. C'est rond, effectivement. Non, je vais essayer d'en examiner un. Chose effectivement, avec ton examen, chose que vous constatez, c'est que les formes de trous sont différentes selon les emplacements. Dans le sol et dans le mur, les trous sont effectivement biseautés, comme si on devait enfoncer quelque chose qui prenne cette forme de biseau. Et au niveau des mains, ce sont des emplacements cylindriques, dans lesquels on doit apparemment mettre par exemple un manche. Et donc aucun mécanisme à l'intérieur de cliquet, de bouton poussoir ou quoi que ce soit qui pourrait... Non, du tout. Tu sais pas trop, en regardant un peu avec le... Bon, j'oublie. Le monocle. Voilà, j'avais perdu le mot. En regardant un peu avec le monocle, vous apercevez qu'il y a l'air d'y avoir une aura d'abjuration. Également autour de chacun des trous. Mon armure. Donc voilà. Ok, une aura d'abjuration. C'est toujours du chinois pour moi. Je sais pas ce que c'est que l'abjuration. Alors abjuration, ça peut être notamment pour protéger quelque chose ou verrouiller quelque chose ou des choses comme ça. On a raté un élément quelque part qui nous permettrait d'avoir des objets qui correspondent à ça. Et il y avait le sceptre, ça se trouve, il faut déjà le sceptre dans sa main. Est-ce que la pièce, enfin la double porte, elle est fermée aussi comme les autres? Oui, elle est fermée aussi comme les autres. Là, parce qu'on n'a pas passé le gardien là, en fait, donc c'est verrouillé derrière lui. Peut-être qu'on aille sur la... Celle-là, elle est ouverte ou elle est pas ouverte? Non, c'est étudié, elle est fermée. Elles sont toutes fermées à l'exception de celle par laquelle vous êtes passé. Okay, il y avait d'autres choses avec l'armure ou pas qu'on a récupéré? Non. Non, mais ça doit pas trop... Est-ce que c'est un jet de sagesse, je dirais. Ok. Ouf, 18. Donc 18, effectivement, pour Mimi. 11. Hop, hop, oh, le 5. Ne m'écoutez est-ce pas. Est-ce que ça pourrait avoir un lien? On n'a pas entendu à un endroit, à un moment donné, Eristée et la clé, ou un truc comme ça. 6, c'est pas mon moment. Okay. N'écoutez pas Kratel non plus. Mimi, tu te rappelles avoir vu un autre élément en marbre dans une pièce précédente, notamment dans la pièce du gardien? Ah oui, l'épée en marbre, c'est vrai. L'épée en marbre blanc. Oh merde, t'as raison. Fallait chourer des trucs. Demi-tour. Okay, alors, faites pas demi-tour, on va accélérer la scène juste pour que vous ayez l'objet. Donc vous revenez dans la salle du gardien qui ne s'anime pas au moment où vous passez, parce que vous passez par l'arrière de la salle. Vous récupérez la l'épée et vous repartez sans que le gardien ne se soit réanimé, et vous revenez dans cette salle. Il reste de marbre. Oh, Bibi pour la blague. Est-ce que je suis inspiré? Est-ce que j'ai un avantage? Non. C'est mort. Vous avez maintenant l'épée dans cette pièce. Ouais, mais ça veut dire qu'il nous manque deux autres trucs, donc ça veut dire qu'il faut qu'on aille voir les deux autres gardiens, je pense. Est-ce qu'on connaît un peu, parce que là, c'est sûrement une représentation connue, c'est Eristée là qui est représentée. Vous faites un calcul mathématique assez simple, il y a 4 trous, il y a 4 portes. Bah, imagine, mais lui l'épée. Ah, ça a ouvert quelque chose alors, peut-être, ouais. Donc, tu mets l'épée où? Dans sa main droite. Mais il a quelle? Dans sa main droite. La main droite. Il est droitier, la main droite. Donc, dans la main qui est levée, comme pour attaquer, vous entendez la porte derrière vous se verrouiller. Et vous voyez une. La porte du sud
qui s'ouvre. Ah! Donc ça amène à une pièce ronde. La porte du sud. Allons à la pièce en bubule. Oh, y a on a peut-être choses. Une petite chance qu'il y ait un élément supplémentaire dedans. Allons voir ça. D'accord. Alors, je suis d'accord. Vous avancez et vous arrivez dans une toute petite pièce circulaire. Autrefois, cette pièce semble avoir servi de quartier pour ce qui semble être un gardien. La pièce semble cependant avoir été abandonnée depuis fort longtemps. Je vous invite à rentrer parce que pour l'instant on ne voit rien dans le chat, donc vous ne détectez rien. On attend quelques pièges, ni rien. Ouais, le chat il est à l'abri, hein. Nous on risque notre cul. Hein. Forcément, on y va doucement, quoi. Vous voyez pas grand-chose d'intéressant dans cet endroit, à l'exception d'une épée longue de mettre sur la table. Alors, vous paraissez un peu grand par rapport à cet endroit. Mais... Sauf deux mètres, donc ça devait être un alphelin, le gardien. L'architecte. Vous voyez donc une épée longue 2 mètres et un coffre que vous ouvrez sans mal et dans lequel vous découvrez des vêtements, également des rations de survie périmées depuis bien longtemps, et un vieux bouclier, une armure de cuir clouté et une bourse avec 12 pièces d'argent et 5 pièces de cuivre. Mais c'est 12 pièces d'argent qui datent de 500 ans, donc elles ont sûrement pris de la valeur. Non, mais c'est la numismatique n'existe pas dans un monde médiéval fantastique, il va pas commencer à essayer de... Oh. Et c'est toi qui as parlé de capitaliste tout à l'heure. La numismatique, non, mais l'inflation, peut-être. Ah ouais, l'inflation. J'aime. Et du coup, il n'y a rien en marbre ici. L'inflation non, est universelle. Et en genre sous le lit et tout, en regardant l'air, dans les murs. Non, je pense qu'on l'aurait trouvé. En creusant les murs. C'est quoi ce temple à la Zob? Si on essaie de se lever demain, sinon, pour une autre porte, ça peut pas marcher. Je pense que c'est genre épée-bouclier. Ouais, le bouclier, il doit sûrement se placer sur la statue. Hein. Il y a moyen, je pense. Putain, ça doit être frustrant quand même. T'as une épée en marbre et un bouclier en bois pourri du cul, c'est vraiment... Ouais, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à un bouclier en marbre aussi. C'est non, mais tu sais, c'est genre, j'ai tout investi dans l'épée, il restait 2 pièces de cuivre pour acheter un bouclier. Bon, après, le marchand avait plus que ça, il m'a dit. Tout à fait franc, essaye de te battre avec une épée en marbre, c'est pas pratique, c'est super lourd et ça pète de peur. Ouais, enfin, c'est une déesse, je sais pas, elle pourrait. Il y a une question de standing, t'impressionnes les gens, t'as même pas besoin de te battre avec, c'est psychologique. Mais elle est au fond d'un mausolée, là, qu'est-ce qu'elle veut impressionner qui? Je pense que t'avais effectivement raison qu'il faut passer devant les autres gardiens ou. Ah, je pense, moi aussi. Je pense pas que ce soit le bouclier tout pourri. Ouais, mais alors, à ce point-là, pourquoi tu fais des passages secrets? Ça n'a aucun sens. Mais parce qu'il y avait une source. Ouais, mais il y avait une source pour récupérer des points de vie après qu'on soit fait bolos par les autres gardiens qui nous ont pas encore bolos. Moi, je le vois comme ça. Écoute, on va voir. Il y a rien dans le fond de la source qui serait en marbre. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas regardé ça. Vous avez pas trop regardé, vous avez pas trop fait gaffe, effectivement, s'il y avait une... quelque chose dans la source qui était en marbre. Allons voir. Il faut enlever l'épée, je pense. Donc vous revenez. Comme ça, on va y mettre les... Ah oui, faut réactiver. Par contre, vous ne savez pas dans quelle position, en fait, l'épée permet d'ouvrir la porte par laquelle vous étiez. La position, elle est pas dans la main. On va la retirer tout. Attends, si on retire l'épée et qu'on la met dans l'autre main, il se passe quoi? Alors que Kratel est encore dans la pièce ronde. Qu'est-ce qui se passe? Ah, merde. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Non, mais où? Vous enlevez l'épée de la main de la statue et rien ne se passe. Strictement, rien ne se passe. La même porte reste ouverte, voilà. Oh, le plan cul. Essayons, on sait jamais aussi d'enfoncer la pointe qui est peut-être en biseau dans un des emplacements, si ça correspond. Non, définir emplacement. Petit malin, quoi. Dites-moi où vous la mettez. Non mais... C'est vraiment très spécial cette conversation. C'est hein, pas possible ça. Dites-moi où vous mettez l'épée. Dans quel emplacement Dans l'autre main. Dans l'autre main pour commencer. D'accord. Alors au moment où vous mettez l'épée dans l'autre main, vous voyez que du coup l'épée est positionnée comme
Donc, y avait la main droite qui était comme ça, la main gauche qui était comme ça. Et en fait, l'épée est positionnée comme si on présentait l'épée. La seule différence, que la main droite n'est pas positionnée comme ça pour vraiment présenter l'épée. Donc, je vérifie ça. Hop. Ok. Au moment où vous placez donc l'épée dans la main gauche, vous voyez une nouvelle porte s'ouvrir, qui est celle de gauche. Bah merde, c'est celle qu'on voulait. Il est quand même vachement sympa, Obshad, de nous avoir replacé l'épée à l'endroit originel. Hein. Ouais, mais il a sûrement magouillé autrement, lui. C'est possible. Ou alors c'est le temple qui est vachement bien organisé. Attendez. Revenez là où vous êtes. J'avoue, comment ils y vont, mais direct, les mecs, alors que c'est le truc le plus éloigné de tout le temple. Kratel, t'es pièges à la con, t'es parti en avant. Allez, il est fou. On voit l'objectif. Et au dernier moment, au moment où tu marches, t'entends un clic. Non. Un jet de réflexe, s'il te plaît. Non, mais il est censé avoir la perception absolue. Ah bah t'as foncé. Hein. Non, mais j'ai pas dit que j'avais foncé. C'est juste mon token que j'ai avancé parce que voilà, j'ai anticipé, mais. Je suis l'incarnation de la prudence, c'est un scandale ce que t'es en train de faire. Alors, il est fou. Ouais, non mais très bien, un peu de drama. Oh le drama. Ouais, okay. Voilà, typique du MJ qui est juste frustré parce qu'on est trop fort pour lui quoi. Alors, 13. Oh. Il cherche la merde. Allez, on prépare la baguette de soin. Alors en fait, je vais te déplacer pour te mettre exactement à l'endroit où tu es. Hop. Très bien. Tu es ici. Et en fait, au moment où tu t'es mis à marcher dans cette zone, tu as entendu donc sous toi comme une trappe, donc quelque chose qui semblait donc se déclencher et se relâcher sous tes pieds. Hop. Et tu parviens à t'agripper un peu sur le bord, c'est un peu compliqué, t'es agrippé sur le bord, mais t'es quand même pendu dans cette fosse hérissée de pieux. Tu te prends donc un petit peu de dégâts, mais t'es pas tombé, donc c'est juste tes dégâts temporaires du fait de t'être ramassé le bord de la fosse. Tu te prends un point de dégâts temporaires, mais tu es donc agrippé au bord de la fosse. Les camarades peuvent tenter de te remonter, et donc je vais demander un jet de force pour remonter Kratel de son trou à rat. Ok. Allez. Ah, je t'en ai fait deux, mais tu prends que le premier parce que ouais, j'ai double ça suffit, cliquer, t'arrives à glisser Kratel qui, de son côté aussi fait tous ses efforts pour remonter. Vous parvenez à remonter ramener Kratel sur le sol ferme. Mais qu'est-ce que t'as branlé? Pourquoi t'es parti comme ça? C'est le MJ. C'est ça, l'esprit de communauté. c'est le MJ, c'est pas moi. Et c'est qui le MJ? Mais de quoi il parle? Alors, c'est un petit nom que je donne à Cruz. C'est pas une grande fosse. Vous pouvez la passer en sautant. Si vous le souhaitez. J'ai l'impression qu'il y a un passage sur le côté. Connais les talents d'acrobatie. Ou faire attention, effectivement, en vous passant un peu sur le côté. Pour ça, je vous demanderai un jet d'acrobatie. Mais pour ce jet d'acrobatie, vous pouvez me dire que vous choisissez de faire 10 ou 20. C'est juste que vous allez y passer plus de temps. Mais vous pouvez le faire de manière prudente, sans prendre de risques. Ah bon, moi je. Bizarrement, je vais pas prendre de risques. Parce que le passage sur le côté, en fait, vous permet de le faire, mais c'est juste que vous faites attention et vous prenez tout votre temps pour éviter de vous précipiter. Très bien. Donc, j'en déduis que vous prenez pas de risque. Hein. Non, je prends pas de risque. Et vous avancez donc dans cette pièce, une nouvelle pièce, où vous voyez ce fameux bénitier en face de vous. Alors c'est une pièce rectangulaire, petite pièce, vous trouvez donc ce nouveau bénitier qui est placé entre deux statues de Kruz. Ah. Okay.
Et okay. Vous remarquez une autre chose, c'est que au nord, sur ce mur-ci, il y a de nouveau une petite main auréolée d'or. Oh my god, encore un passage. Enfin, auréolée d'or, non, auréolée, pardon. Oh. Bon, et ben, je vais réfléchir, puisque deux statues de Cruz, il y a forcément un message caché quelque part ou une signification quelconque. Regardons les statues, ouais. Est-ce qu'elles ont des choses similaires, différentes, non, anecdotiques? Non, non, littéralement, ça a l'air d'être juste des statues qui sont là pour surveiller l'endroit, on va dire, pour signaler toujours que cet endroit reste le royaume des morts. D'accord. Il y a un bouton du coup au fond de ce petit bénitier, des fois. Oui. Tout à fait. Ou comme les deux précédents. Est-ce qu'on l'accepte tout de suite ou... Un bouton. Bah, je dirais que oui, hein. Bah, moi, oui. Je suis d'accord pour qu'on. Je ferai quand même une petite vérif, moi, mais bon. Petite vérif. Non, allez-y, allez-y. J'ai rien. Non, c'est bon, j'ai rien. Ok. Vous appuyez sur ce bouton et vous entendez encore une fois un clic qui est un. Dans les murs. Ok. Bon, classique. Okay. On commence à être habitué. Il doit quand même y avoir un truc derrière cette main-là, non? Oui. Puisqu'il y avait quelque chose. Bah oui, on va refaire un petit coup de baguette. Bon, il se passe rien avec les statues là en appuyant sur le bouton. Elle est auréolée de quoi déjà? Non, au niveau des statues, vous voyez ni mécanisme, ni aura spécifique. Voilà, il y a rien de particulier. Mais okay. La petite main qui est auréolée, est-ce qu'elle serait pas auréolée de magie, d'une couleur? Non, mais c'est la même chose. C'est la même chose, en fait, exactement le même symbole que sur les passages secrets que vous aviez déjà vus. Ah, donc c'est quel type de... Ouais, c'est ça. C'est quel type de magie d'ailleurs? C'est aussi de l'abjuration sur la main? Non, sur la main, il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment de. Enfin, si, il y a une magie. Alors, c'est une aura blanche que vous avez dessus. Blanche. Blanche dans les cas de magie de guérison. Ah, c'est de la magie de guérison. Ah oui, bah oui, d'accord, oui, bah là. C'est logique, avec les baguettes. Ça fait sens, tout à fait. Et bah, un coup de baguette. Ok. Coup de baguette. Un petit coup de baguette. Et le passage s'ouvre également devant vos yeux ébahis. Waouh! Pour dévoiler un tout nouveau. Tunnel. Cadeau. Avançons. Mais alors, dans ce tunnel, vous voyez effectivement que le tunnel tourne d'abord sur la droite, puis qu'il prend des escaliers qui remontent cette fois-ci. Ah, j'ai l'impression qu'on retourne vers la salle du rituel. Hein. Bah, en toute logique, j'ai l'impression. Oui. Je veux pas dire, mais on est un peu dans un donjon Skyrim, donc en toute logique, ça devrait nous ramener au début. Oh, les références. Je vois, ok. Donc, c'est pas grave, du coup, on aura distrait avec l'ouverture. Transformer le boss de fin en dragon. Ouais. ou un prêtre. Alors qu'on a déjà ouvert la porte, il sera surpris, on le prendra à revers. Ah. Si on arrive par un autre côté dans la pièce de rituel, alors qu'on s'est démerdé pour ouvrir tous les pans de la porte par lesquels il nous attend qu'on doit revenir, on va le prendre par surprise en arrivant peut-être d'un autre côté. C'est possible. Éventuellement. Vous voyez en haut des escaliers une petite pièce carrée. Il y a l'air d'y avoir un fatras monumental. Vous voyez donc une pièce qui semble avoir servi de pièce de stockage. Il y a un certain désordre là-dedans. Certaines choses qui devaient servir à l'époque aux prêtres qui s'occupaient du lieu et qui ne souhaitaient pas forcément que les visiteurs les trouvent. Donc vous voyez certaines jarres. Il renferme des offrandes plutôt généreuses, hein, d'ailleurs, ces offrandes, et qui devaient servir notamment à payer les dépenses journalières des prêtres. Il y a également un vase qui est brisé au sol et quelques débris de plafond qui jonchent un peu le sol de cette pièce. Vous voyez également une statue de Méallier dans cette pièce, une caisse en bois qui est éclatée, et enfin, sur un piédestal, il semble y avoir de poser, enfin, il semble avoir été posé vraiment délicatement, avec attention,
même, voire même isolé du reste, un collier serti d'or dans lequel est enchâssé un anneau retenant lui-même un petit parchemin. Waouh, donc c'est complexe. Bah, on le Je tombe voilà. un œil. Exactement. D'ailleurs, j'y pense. Avant ça, je vais demander au modérateur de lancer le troisième sondage, s'il vous plaît, rapidement. J'ai oublié de le faire. Est-ce que le médaillon est hanté du cul ? Vous observez ce médaillon, vous observez une aura bleutée comme une aura d'abjuration dessus. Ah, encore un truc de protection. D'accord. Mm. Ok. Si on le met, on est protégé. J'attends que le Stropole se lance, mais pour l'instant, je ne le vois pas. Ils savent vraiment pas arranger ici. Alors, je vais le lancer. Le Stropole. Tu disais qu'il y avait des richesses et des choses comme ça à droite à gauche. Des richesses pécuniaires. Ah, ça y est, il l'a lancé. Oui, alors effectivement, il y a des richesses pécuniaires. Il y a notamment dans la jarre qui est derrière Mibi, c'est rempli de pièces d'argent. Vous avez peut-être un peu de mal à estimer le nombre de pièces qu'il y a là-dedans, mais il y a l'air vraiment d'y avoir une quantité assez importante de pièces. Et dans la jarre qui est à côté de Kratel, il y a un mélange de pas mal de choses. Il y a l'air d'y avoir des bijoux, des pièces d'or, peut-être aussi quelques pierres précieuses ou semi-précieuses, vous savez pas exactement dire. Merde. Bah, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on sert ? C'est un peu bizarre quand même, non ? Enfin... Est-ce que c'est maudit ou pas ? Est-ce qu'il y a de la magie ? J'ai envie de dire qu'on n'est pas là pour ça. Il n'y a pas de prix. Bah, ils en ont plus besoin, en vrai. Hein. Voilà. Hein. Ce que je dis, c'est que je m'en fiche de ce qu'on fait, enfin, si on récupère ça ou pas. Tout ce que je dis, c'est qu'on peut laisser ça là pour l'instant et venir s'en équiper plus tard. Je suis d'accord. Ok, bon. Je me mets un petit post-it. Voilà, je me note, voilà, pognon, voilà, je marque pognon. Récupérer de la moula plus tard. Par rapport au collier que vous avez voilà, un peu pognon. Observé, faites-moi un jet de connaissance mystère pour essayer de voir si ce type de collier vous dit quelque chose. Ouh. Connaissance mystère, ça va pas voler haut. J'ai fait 8. Allez, Kratel, sauve-nous tous. On lui met pas la pression. De toute façon, voilà. Oh non ! Après, t'as ton avantage. Non, plus oui, maintenant, c'est ça durait 20 minutes. Ah ouais, mais je suis pas entraîné dans cette connaissance, donc. Ça va pas valoir grand-chose. Je préfère garder mon avantage pour le boss de fin, tu vois. Alors, vous allez pas savoir grand-chose. Eldebaf, tu vas juste faire une observation qui est assez juste. À ce propos, qui est, mais ça sert à quoi ce petit parchemin qui est dedans ? Toi, t'attires l'attention sur le petit parchemin qui est au niveau de l'anneau. Regardez, il y a un parchemin. Autres, eux, par contre, sont en train de se creuser les méninges pour savoir si ils ont déjà vu ce type de collier quelque part. La réponse est pour l'instant non. Ça ne vous parle pas. Maintenant, c'est un collier, c'est normal que ça parle pas. Oh alors, tu prends le petit parchemin, t'essayes de le sortir, mais tu sens qu'en fait il a l'air d'être bien accroché à l'anneau, et tu arrives cependant à lire sur l'extérieur du parchemin ce qu'il y a décrit. Alors je vais devoir définir aléatoirement ce qu'il y a comme sort sur ce petit parchemin, mais tu distingues que ça a l'air d'être un sort qui est stocké en fait sur le petit parchemin. Et en regardant cet objet, tu te demandes si en fait tu ne peux pas stocker chaque jour un sort supplémentaire par rapport au sort que tu peux lancer dans la journée. Oh, c'est énorme ça. Si ça pouvait. Mibi, fais-toi plaisir. Je le prends, oui. Allez. On est gâtés. Okay. Alors, objet. Le sort que tu as dessus, je te donne ça.
coup de suite, tu constates que le sort qui est stocké, c'est un sort de main brûlante. Oh. Ah, tu touches et ça fait des dégâts de feu. Mais par contre, c'est au contact. Non. Merci. Je crois que c'est... Ou, à... bah, ou alors c'est... Non, tu fais un cône. C'est une zone de... Alors tu fais un cône. C'est un cône, c'est ça, de 4,5 mètres devant toi, je sais plus exactement. C'est ça, c'est quand même portée courte, mais, ouais, c'est, portée mais, courte. Mais c'est quand même à distance. Monsieur Snooki, c'est Monsieur Snooki qui se transforme en dragon. Je vais préciser une petite chose juste avant que nous ne fassions la pause de mi-épisode. La petite chose que je vais préciser, je vais la préciser Kamibi, il n'y a que toi qui entends ça, Mibi. Au moment où tu passes le collier autour de ton cou, tu entends une voix dans ton esprit qui fait c'est chaud. C'est agréable. Oh, nouveau propriétaire. Bonjour. Quel super. C'est Mibi. Oh. Et donc vous entendez Mibi qui dit bonjour, en regardant autour d'elle comme ça. Monsieur Snooki. C'est intéressant. Je sens qu'on va bien s'entendre. Elle était déjà possédée. Oh my. Je note, j'ai un nouveau copain. Il est doublement possédé. Là-dessus, nous allons faire notre petite pause de mi-session. Avant d'attaquer donc la suite des hostilités, on va se laisser une quinzaine de minutes de pause et on se retrouve donc tout de suite. Voilà, je mets en pause l'ambiance pour vous remettre donc une petite musique d'attente pendant ce temps-là et on vous dit à tout de suite. Ne restez pas trop loin, on vous met un timer dans 15 minutes, on revient, à tout de suite. À tout de suite. Attendez, c'est où la pause? C'est là. Thank you.
Thank you.
Et nous revoici, nous revoilà. Alors, la team est encore un peu en train de manger, donc veuillez excuser ceux qui mangent devant vous. J'espère que ça va pas trop vous donner faim. On reprend sur ce fameux donjon, comme qui dirait, et je vais demander. Ouais, on a bivouaqué. Pardon, tu dis quoi? Je disais, on a bivouaqué. Ah oui, d'accord. Le temps. Ouais. Alors, il va falloir qu'on apprenne à être de baf à pas parler à la bouche pleine. On a bivouaqué. On est mal poli. Pas du tout. Oh, c'est... Je vais demander à mes très chers modos de lancer le quatrième sondage de la soirée. Quatrième vote. Tandis que nous reprenons, alors que Mibi a entendu une voix qui lui parlait, disant « Oh, c'est intéressant. » Et qui ? Ah ben. Bah c'est qui ? Bah c'est nous ! Venez de ramasser quelqu'un et vous faites même pas attention. On va s'entendre. On va bien s'entendre. Okay. Moi c'est Mibi au fait. J'ai pas de nom. Mais on te connaît, mais... Ah ouais, on te connaît. J'ai pas de nom. Mais. Oui, je vois que. Tu as un potentiel. Et on va s'amuser. En fait, je parle au collier, il y a le collier qui me parle. Oh là là. Attends, c'était pas à ta main que tu parlais avant? Mais non, mais j'ai toujours parlé à Monsieur Sneaky, mais là, maintenant, il y a moi, Monsieur Sneaky et le collier. Je vous trouverai un nom plus tard. D'accord. Oh mon dieu, on n'est pas parti, c'est bien. On retrouvera un psy. Mais il dit quoi ton collier concrètement là? Oh, il est sympa, il est content, il dit on va bien s'amuser. Je vais trouver Hélène et brûler son corps. Quoi? Ah, une référence au joueur du grenier pour ceux qui connaissent. Donc voilà où vous en êtes. Qu'est-ce que vous faites? On avance, non? Bah on va continuer d'avancer. Ah oui, non, on pille pas tout de suite. On a établi que le pillage c'était après avoir sauvé le monde. Moi j'ai noté pognon sur mon post-it, hein, donc c'est bon, on peut... Oui voilà, c'est pognon pour plus tard. Voilà, c'est ça. Pour plus tard. Ok. Allez, en avant. Eh bien, en avant. Allez. Yagan. En avant Yagan. Ok. Vous avancez dans ce couloir, dans ce petit passage secret qui est un petit peu tortué à certains endroits. Était également aussi glissant que le premier que vous aviez traversé, mais ça va, vous arrivez à vous en sortir et à pas trop glisser. Ok. Continuons. Bon. Bah ok. Bah alors ouais, alors les pièges tout ça, on fait gaffe toujours. Hein. Oui, je pense que l'expérience. Regarde toujours vos jets de perception initiaux. Pour l'instant, vous ne détectez rien. Bon, il manque la lumière apparemment pour avancer là, donc il faut que Mibi avance. Elle se faufile, elle se faufile. Ça va, elle est pas trop grande. Elle a discuté avec son collier. Okay. Excusez-moi, j'ai une conversation un peu intéressante avec mon collier, existentielle même. C'est pas flippant. Alors. Vous arrivez à un nouveau mur où il y a évidemment une autre main à activer. Eh ben, on aura plus de sort de soin à la fin. Vous en aviez 50 quand même de base, ça va. On est à 45, ça va, on s'en sort bien. On avait de quoi se foirer un peu. Sésame, ouvre-toi. Et vous revenez donc dans partie du tunnel. Il semblerait que vous arriviez... En fait, juste avant la fameuse salle qui, avec un point d'interrogation là, où qui semble être un peu en entonnoir. Ah, d'accord. Ah, donc on remonte. Pas hein. Du tout dans la salle du rituel par surprise, quoi. Non, on est un peu. Bon, bah on remonte. Hein.
Remontons, alors, remontons. Ouais. Tu veux aller direct à droite? On va pas tout droit? En fait, au perso, pied, je propose qu'on fonce. Gardien. Au pire, tu disais, Mimi? Bah, on risque de tomber sur un gardien et de se faire poutrer, donc... Bah, sachant que à l'entrée de cette salle, vous avez vu rapidement que la salle était un peu sous cette forme d'entonnoir et qu'elle... mais en termes de hauteur aussi, elle est particulièrement grande au moment où vous entrez. Vous voyez qu'elle semble converger et se rétrécir au fur et à mesure jusqu'à un tout petit passage, un tout petit couloir assez étriqué. Ouais. On n'y a pas besoin d'y aller. Hop. Non. Je suis assez d'accord. Retournons à la salle du rituel. Ok. Vous avancez, vous voyez un petit espace un peu ouvert là, où il y a une nouvelle épée en marbre. Oh, il y a une épée. Ah, comme ça on peut ouvrir plusieurs portes. Donc effectivement, il y avait l'air d'y avoir plusieurs épées dans ce labyrinthe. Vous continuez de progresser dans ces couloirs que pour l'instant vous ne connaissiez pas, hein, vous ne les avez pas passés jusqu'à présent, et vous passez devant une autre porte, une porte qui que vous n'avez pas explorée, qui semble, selon votre plan donné, sur l'espèce de salle, un peu avec les murs en escalier, là, comme ça, là. Pas trop comment décrire ça, salle, mais ouais. Voilà. Et qui donne derrière sur la salle du bassin. Bon. Alors, pareil, on avance, on avance, on avance. Très bien, c'est une évidence. Kratel, il a pas besoin d'essence. Hein, quoi vous voyez que c'est cohérent. Vous voyez dans cette partie de tunnel qu'il y a de la lumière qui provient d'un petit brasero avec. Enfin, pas un petit brasero, un bénitier avec de l'eau, encore une fois, un peu magique bénitier. Et brillante là, à cet endroit-là. Tandis qu'en face, c'était juste une alcôve avec des urnes vides et des éléments de préparation des morts, etc. Des petites poteries. Voilà. Et vous revenez là où vous étiez initialement, au moment où vous avez pris la première porte. Excellent. Le rituel ? On continue à remonter, moi je dis, on fonce. Très bien. Alors. Alors, il y a des culs morts-vivants à beauté, moi, je suis persuadé. C'est sûrement vrai et c'est sûrement ce qui va se passer. Moi, je propose qu'on fasse maintenant les armures de mage. Alors, le ou la coup, armure de mage. Ça sera pas pour tout le monde les armures de mage. Hein. C'est pas grave, c'est déjà pas mal si tu lances une. Elles ne se cumulent pas avec les armures déjà existantes. Et c'est que pour moi en fait, hein, donc. Donc voilà, c'est que pour Mimi. Voilà. Ah, c'est pas grave, c'est déjà pas mal. Je veux pas qu'il t'arrive de mal, hein, c'est déjà pas mal. Faites-moi confiance. La musique te donne tout à fait raison, c'est bien. Ouais. Ouais, voilà. Mais vraiment. Pas inquiétante, ça va. Quand on arrivera devant la porte, je me lancerai armure de mage. Wow, devant, la porte. Devant la porte. Putain, elle économise J'économise les slots de sort, ouais. Surtout. Ça va peut-être se jouer à rien, hein, donc. Ça se joue un poil de cul, cette affaire. Bah, je vous invite du coup à avancer jusqu'à la porte. Tandis que moi, faut que je vous rattrape parce que vous êtes quand même sacrément rapide. On connaît, c'est pour ça. On connaît. Ah, ils ont pris des raccourcis. Et vous voyez que effectivement devant cette porte que vous connaissez, vous voyez qu'il y a les trois mains qui sont ressorties comme je l'indiquais la première fois dans le descriptif que je vous ai fait de la porte, à savoir que à l'emplacement des trois mains qui étaient légèrement enfoncées, là les trois mains sont ressorties. Alors il y a un peu d'espace au niveau des mains de sorte que ce soit pas forcément facile de le faire tout seul, donc il faut quand même être à plusieurs pour faire les différentes mains et pouvoir ouvrir cette porte. Ok.
Et ben, donc là, tout est débloqué, tout a l'air retiré. Il semblerait qu'il n'y ait plus qu'à pousser ou à tirer, en tout cas. Exactement. On serre la main aux mains. Bon, bah, Bibi... High five. Ah ouais. Je t'encourage. High five avec les mains, oui. Bon, Bibi, je t'encourage à lancer ton armure de mage sur toi. C'est ce que j'allais faire, justement. Le mec, il a jamais l'affaire, tu sais. Ouais. Mais non, mais c'est important. Bah toi, Kratel, t'as pas des bénédictions à te lancer, également? Bah, s'il y a un jugement à lancer, ce sera instantané, donc t'inquiète. Ok, ok. Bon. Ok, je pars du principe ouais, sinon, que Bibi, tu t'es lancé l'armure de mage. Oui. Vous oui, oui, non, on pourrait ressortir, hein, on est à côté de la sortie. Hein. On se casse. Vous c'est bon, on a fait les énigmes, c'est du final. Oui. Ok. Allez, on appuie, on y va. Vous appuyez sur les mains, les trois parties de mains qui étaient donc ressorties re-rentrent dans la pierre. Et derrière, vous entendez faut tout un taper. Mécanisme aussi fait clac. Et les portes commencent à s'ouvrir sur cette pièce que je vais vous révéler tout de suite. Hop. Alors, je vais vous dire un peu ce que vous voyez avant que vous n'avanciez. Vous avez une très grande pièce devant vous, immense, avec un plafond particulièrement haut, particulièrement élevé. Cette salle, c'est celle qu'on appelle la salle du repos, qui renferme la tombe d'Éristée et de ses plus fidèles compagnons que vous voyez, notamment derrière lui, contre le mur, vous voyez qu'il y a des tombeaux aussi, contre le mur, qui semblent en fait renfermer donc, ses fidèles compagnons. La tombe d'Éristée a été ouverte. Vous voyez que le couvercle a été renversé. Vous voyez que cette tombe est positionnée au milieu d'un petit bassin d'eau un peu surélevé qui donne lui-même sur un autre bassin d'eau un peu plus bas et les membres du rituel, à savoir Yurgat et les acolytes qui sont à côté de lui, sont les pieds dans l'eau en fait, dans ce bassin. Autour du fameux sceptre que vous reconnaissez pour l'avoir vu sur le cadavre d'Éristée, enfin pas sur le cadavre, sur la statue pardon d'Éristée, vous reconnaissez ce sceptre qui est levé apparemment sur un socle qui était un peu fait exprès pour y placer le sceptre, et à son pied ouais. Il y a la corne est posé, et vous voyez que les différentes personnes sont là, les différents acolytes sont là, en pleine litanie, en train de réciter des paroles, etc. Et vous voyez qu'il y a des petits tas de cendres à la place de trois d'entre eux, donc à l'endroit où potentiellement il devait y avoir initialement aussi des acolytes. Le rituel a commencé. Et au moment où vous entrez, vous voyez que Obeshad est tourné vers l'entrée. En même temps, la porte n'est pas très discrète au moment où elle s'ouvre, donc il avait un peu capté que Coucou. Vous arriviez. Et au moment où vous entrez, vous voyez Obeshad qui se tourne vers les acolytes en disant « Poursuivez la litanie Poursuivez la litanie, elle ne doit pas s'arrêter !» Vous ne nous arrêterez pas en si bon. Pardon, je bafouille. Vous ne nous arrêterez pas en si bon chemin. Aloïs, il est temps de justifier votre salaire. Et vous voyez qu'il n'est pas tout seul, puisque effectivement, un peu plus haut, autour d'un de ces bénitiers emplis d'eau un peu magique et lumineuse, vous voyez qu'il y a Aloïs. Suivi d'un de ses sbires, on va dire, de ses comparses, qui est là, et qui se tourne vers vous, qui regarde un peu Obeshad, l'air un peu hésitante, et qui avance vers vous, mais vraiment d'un pas très très hésitant, qui sait pas trop... ce qu'il faut faire, elle hésite un peu en vous regardant, en regardant Obeshad,
Et à un moment donné, tandis que le combat clairement va s'engager, parce que Oulochad ainsi que ses camarades vont pas forcément trop tailler la bavette, comme on dit, vous entendez une voix commencer à retentir dans tout le tombeau. Cette voix, elle est forte et en même temps traînante, elle est inquiétante et elle dit ceci. Misérable pourceau, ce combat n'est pas très équitable. Laissez-moi corriger cela. Et vous sentez dans l'instant qui suit cette phrase, vous... Alors, en tout cas, pour Mibi et Mayal, vous sentez revigoré. Tous vos points de constitution vous sont rendus. What? Et Eldebaf et Kratel, vous récupérez vos points de charisme, mais bon, ça, c'est anecdotique, on va dire. Oh oui, j'ai retrouvé ma beauté! Le psychologique, monsieur, c'est indispensable. Je vais, du coup, vous demander à tous un jet d'initiative à partir de... Alors, maintenant. J'ai vérifié. Ouais, okay. L'anticipation du danger, c'était jusqu'à activation. Donc, j'ai un plus 2 à mon initiative. D'accord. C'est important. Ok. Donc, du coup, je... Oh, il est motivé en plus. Et moi, de mon côté, je vais prendre note de tout ceci. Donc, un 17 en initiative pour Mayal. Un 21, ça va aller le coup. Je vais le lancer 8. Aussi pour Obochad et sa compagnie. Oh, 22. Oh mais non, Mimibi, tu vas peut-être pouvoir te glisser, remarque. Qu'on n'est pas dans l'ordre qu'il faudrait. Alors, oh, Obochad. Du coup, nous avons en premier Eldebaf. Non, Mibi d'abord. Enfin, ah, c'est Mibi à 22, j'avais pas vu. Mibi à 22 en initiative, suivi d'Eldebaf à 21 en initiative, puis ouais. Mayal à 17, Obochad à 16 et Kratel à seulement 8, mais... 8. Non, mais ce qui est terrible, c'est que même si j'avais eu mon bonus de plus 4 avec la dissipation des sens surdéveloppés, j'aurais quand même été le dernier, quoi, avec un bonus de plus 6. Vous avez dit que j'avais niqué mon karma sur un jet de perception qui m'a même pas empêché de tomber dans un trou. C'est minable. Il y a eu de très 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 bons jets. Donc, du coup, c'est maintenant à Mibi, pardon, d'agir et de dire ce qu'elle va faire. Mibi, c'est à toi. Le combat s'engage. Que fais-tu? Tu vois toujours Aloïs et son compagnon hésiter, tâtonner un peu. Faut les convaincre. Je vais dire, c'est Obchab qu'on veut. Il va. Il va payer pour ses parjures. Il va nous confine nos points de charisme. C'est Obchad qu'on veut, c'est lui qu'il faut arrêter et il va nous mener tous à notre perte. Ouais, c'est un connard. D'accord, fais-moi un jet de diplomatie, s'il te plaît. Allez, vas-y, là, c'est le moment de sortir le vin. Vas-y. Oh, elle l'a sorti! Elle l'a sorti! Incroyable! C'était le moment. Alors là, vous voyez, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, regardez bien le sourire. Regardez bien le sourire d'Aurélien. Ça, c'est celui du MJ qui est obligé d'être honnête, niqué, mais qu'on a déjà pris le cul. C'est celui-là. On l'a niqué! On a niqué le combat! Ça, oh ben ça y est, en fait, pas de combat de 1 et puis putain, j'aurais pas dû leur rendre les points de constit. Oh les bâtards, le combat est déséquilibré à nouveau. Tu sembles avoir touché une corde sensible et avoir atteint en fait la question, enfin avoir répondu à la question que se posait Aloïs, à
à savoir est-ce qu'on est dans le bon camp et est-ce qu'on on fait le bon choix. Et donc, elle... bah, tu verras à son tour, mais en tout cas, tes paroles semblent avoir été efficaces. Parfait. Je peux me déplacer encore? Alors, t'as du monde devant toi, mais effectivement, en te déplaçant, en te faufilant un peu, tu peux te déplacer et rentrer. Je vais rentrer mon ventre. Je vais pas non plus traverser la pièce, mais juste me mettre genre là, tu vois. Ouais, ok, ça marche. Voilà. Très très bien. Peut-être un peu plus à couvert, c'est possible? Oui, bah il y a des colonnes, si tu veux, tu peux te mettre derrière une colonne. Ouais, je vais me mettre là. Voilà. Ok. Ben, je n'en reviens pas, quoi. Très bien. Du coup, c'est tout ce que tu fais? Je peux attaquer aussi? Bah non, mais c'était déjà pas mal en moi, soi. Moi, c'était mon action. Et parler, donc, ouais. Non, mais c'est effectivement, j'avais pendant un instant oublié que t'avais parlé. maintenant, c'est donc à Eldebaf. Eldebaf, c'est à toi. Alors, petit plat de placement, mais juste pour dégager l'entrée. Là, okay. Je m'avance un petit peu dans la pièce, mais je veux pas aller tremper mes pieds dans cette flotte là parce que je sens que ça pue du cul. Du coup, je vais sortir mon arc composite. Une fois n'est pas coutume, mon arc long composite, la dernière fois que je l'ai sorti, c'était contre la Cocatrix, je crois. C'est pour dire. Bah ça date, du coup. Donc, Eldebaf s'est déplacé, il sort son arc, il se tient prêt, et c'est maintenant à Mayal d'agir. Mayal, que fais-tu? Toi qui étais derrière, je te vois pas d'ailleurs. Parce que je suis un petit peu loin, là. Ouais. Ouais, je vais me mettre un petit peu en retrait comme ça, là, sur le côté. Et bah, je pense que je vais ouvrir le bal en attaquant. Ok. Oh my. Je t'invite à faire ton jet. Ton tir. Ah oui. Déplace, je peux pas attaquer à outrance, c'est ça? Non. Parce que ça me prend... tu te déplaces, tu peux pas attaquer à outrance. Par contre, effectivement, tu peux tirer. À distance, là, je suis loin. Ok. Allez, je clique. Alors, 15 pour toucher, tu vises donc Aubechad, évidemment, hein, tu vises Aubechad. Et les autres, alors, tu vois ta flèche qui part, elle semblait prendre la bonne direction, mais il a quand même des réflexes assez vifs, et il parvient à esquiver ta flèche, et c'est maintenant à lui. Alors vous vous apercevez que au niveau physique, Aubechad, c'est plus du tout le même que celui que vous avez connu. Là, il n'y a plus de maquillage pour essayer de cacher les problèmes de peau, hein, comme qui dirait. Donc il a effectivement la peau qui est complètement abîmée, qui est presque à certains endroits purulente et un peu suintante de sang. Il est plus aussi bien habillé que ce que vous aviez vu. Clairement, là, vous avez le Aubechad qui ne fait plus de chichi et qui ne fait plus semblant d'être dans les hautes sphères de la société et qui se met à incanter pour vous envoyer un sort. Je vais tous vous demander un jet de volonté maintenant. Pas la volonté, je suis trop nul. J'ai pas de volonté. Je suis on fire, 21. Ah, oh, ça y est, je suis devenu débile. Donc, même 21 pour Mayal. Alors, le mouclé est devenu. Pour Mayal, 9 pour Eldebaf et 27 pour Kratel. Eh bien, tout simplement, vous voyez Mayal et Eldebaf qui s'effondrent au sol et qui s'endorment. Ils s'endorment. Ah, et le dodo encore. Ils sont encore en train de dormir. Tandis que vous voyez Aloïs qui, un peu hésitante, enfin qui était un peu hésitante, mais qui semble avoir pris sa décision et qui va se précipiter en direction d'Aubechad. Alors il y a un acolyte qui la gêne, une acolyte qui la gêne. Elle va essayer de lui faire des dégâts. Elle touche l'acolyte et elle tue la première acolyte qui était là. Tout à fait. Ah bah, elle a pas plaisanté sur le coup là. Elle a pas plaisanté sur ce coup. Tandis que l'autre est encore un peu hésitant et vous voyez que lui par contre il prend un autre parti qui est celui de se barrer littéralement. C'est sympa. Eh bah c'est pas plus mal. Je préfère un neutre qu'un ennemi.
C'est maintenant à Kratel. Kratel, que fais-tu? Alors, t'as précisé la profondeur du bassin, il y a combien de... C'est pas très très profond, ça doit arriver jusqu'au genou d'un humain de taille normale, quoi. Donc si je balance une grenade là-dedans, la mèche s'éteint avant de pouvoir exploser. Elle risque effectivement la grenade de s'éteindre avant. Ou en tout cas, d'exploser sous l'eau et de faire moindre dégâts. Ouais, il y a plus de rituel. Et il y a une certaine longueur de salle en plus. Donc la longueur est bonne, donc tu peux mesurer si tu le souhaites vérifier. Comment je fais pour mesurer déjà La petite règle, en haut à gauche. Une petite règle dans un cercle. Mm-hmm. Je ne la vois pas, mais tant pis. Je vais te le faire. D'accord. C'est bon, je l'ai. C'est bon, tu l'as? Je pense que je l'ai. Ouais. 20 mètres. Oh, je devrais pouvoir réussir à balancer sur une distance de 20 mètres quand même. 20 mètres, tu dois avoir une portée maximale sur les bombes, mais je crois que c'est une portée moyenne, donc 20 mètres, ça doit les couvrir. Pas précisé la distance, c'est en fonction de ma force, j'imagine. Mm-hmm. Non, bah, ce que je vais... ce que je vais faire tout bêtement, on va être simple, on va essayer de faire simple. Ok. Je vais sortir, me diriger sur la gauche, et je vais essayer de toucher le deuxième acolyte, celui qui est en dessous de Obshad, avec mon arbalète de poing, tout bêtement. Ça marche. Et en fait, je vais me diriger pour faire le tour du bassin et je vais essayer d'aviser, mais déjà, ça me paraît un bon début. Ça marche très bien. Voilà. Donc vas-y, fais ton jet, fais ton tir. Et vas-y, on y croit, Kratel. Sachant que là, j'ai les carreaux empoisonnés. 13. Oh, 13. Malheureusement, ton jet manque un poil d'ajustement. Ce qui t'a un peu perturbé, c'est que quand ils sont en train de prier et de faire leur rituel, ils sont un peu en train de bouger. Donc ça n'a pas été très évident. T'es pas passé loin, mais malheureusement, elle est venue derrière se planter dans la statue qui est juste derrière eux. Chpoink. Et c'est de nouveau, cette fois-ci, à Mibi. Mibi, que fais-tu? Bouya. Bouya sur Obshad. Ouais, je vais me décaler un petit peu et lancer l'un de mes fameux projectiles magiques. Ok, très bien. Excellent choix. Un projectile magique en direction d'Obshad. Oh non! Attends, pourquoi il y en a deux qui s'envoient? Ça fait 5... C'est parce que t'es niveau 3. Oui, t'es niveau 3, il y en a 2 qui s'envoient. Donc tu lui infliges un total de 5 points de dégâts. Yep, ça marche. C'est noté. C'est maintenant à Eldebaf. Eldebaf, que fais-tu? Alors moi je dors, donc est-ce que je peux essayer de me réveiller? Non. Ah bon? Non, parce que t'as raté ton jet de... T'avais raté ton jet de volonté et les bruits ne suffisent pas à te réveiller, il faut un stimuli physique pour te réveiller. Donc, Il n'y a pas un qui a essayé de nous réveiller. Quoi. Est-ce que je peux essayer de me retourner dans mon réveil? Dans mon sommeil. Oui, tu peux chercher une position plus confortable pour mieux dormir. Ok, je tente ça. C'est quoi? C'est un jet de lutte? Comment je fais? Non, mais il n'y a pas de jet, hein. C'est juste que tu te tournes pour un peu mieux dormir. Du coup, c'est à Mayal. Mayal, que fais-tu? Oh non. Bah, je dors. Ah bah oui, également. Trouve une meilleure position. C'est bon sort ça. J'ai bien fait de choisir ça. Du coup, il va se tourner vers votre nouvel ami Aloïs qui s'est dirigé vers lui pour lui lancer également un sort qui est un...
vous voyez qu'il lance un doigt un peu accusateur en direction d'Aloïs, qui tente de résister, mais vous la voyez qui plonge dans... Enfin, qui semble un peu perdue pendant un instant et qui semble chercher autour d'elle, comme aveuglée, en fait. Elle ne semble plus voir ce qu'elle a devant elle, tandis que vous voyez Obeshad qui vient s'avancer pour s'abriter derrière le tombeau d'Eristée. C'est maintenant à Kratel. Que fais-tu? Tandis que vous voyez Aloïs est un peu perdu. Il trébuche un peu sur le premier acolyte pour essayer de s'orienter vers le deuxième acolyte. Écoute, je vais continuer dans le même sens. Distance maximale. Ouais. Je sais pas jusqu'où je peux aller. Attends, si c'est marqué quelque part ça. Il y a genre 9 mètres que tu peux courir. Elle est où la corne, t'avais dit? Alors, tu as une distance de parcours de 9 mètres multiplié par 4 si tu cours. Donc voilà. Et oui, la corne est au pied du sceptre, effectivement. J'ai de l'attraper au grappin. Mais écoute, je vais pas me faire chier vu que c'est multiplié par 4. 4 fois 9, ça fait 36. Techniquement, je pourrais aller de l'autre côté. Enfin, 10. Mm-hmm. Et 20, 30, et 6. Bah écoute, je vais courir. Ok, très bien. Je vais courir et je vais aller jusque là. Voilà. Très bien. Donc tu cours, allez, ouais. Tu traverses la quasi-totalité de la salle pour aller te positionner de l'autre côté. Et ça te prend tout ton tour. C'est de nouveau à Mibi. Mibi, que fais-tu? Du coup... Oh, mais en fait, mes camarades sont évanouis. Oui, il faut un petit dodo là, c'est pas trop mal. Je peux pas réveiller les deux. Non, gueule. Tu peux pas en réveiller qu'un seul. Si tu me lances sur elle de baffe, peut-être. Non, mais je pense que. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que je vais réveiller elle de baffe d'abord. Donc je vais aller faire touk 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 touk. Ok. Donc tu secoues elle de baffe. Je secoue Eldebaf. Ah, réveille-toi! Eldebaf, t'étais bien endormi. Là, toi, tu rêvais d'enclume, de marteau. J'avais une bonne position. La belle vie. Et tu te réveilles en voyant le visage un peu inquiété de Mibi qui fait vite! Réveille-toi, on est en plein combat! Hein? Quoi? C'est à te mettre le doigt dans le nez. C'est chipolata! Pour info, vu que t'étais au sol, ça te prend une action de mouvement de te relever. Bon bah, je me relève. Ok. Et j'arrive pas à voir Obeshad parce que j'ai toujours mon arc long en main. Tu peux réussir à lui tirer dessus, mais il a un abri potentiel, enfin un abri partiel. Donc t'auras un pourcentage d'échec. Ok. Et le gars là derrière, je le vois mieux lui par contre. Lui, tu le vois, tandis qu'Aloïs est en train de se diriger vers lui d'un air pas très certain. Tu sais pas ce qui lui prend, tu lui demandes si elle est bourrée ou... Mais elle est un peu avec les deux mains comme ça, en avant, en train de chercher. Ok. Et l'autre à côté, parce que je risque peut-être de la toucher. L'autre alors, à côté, oui, tu le vois aussi. Enfin, tu la vois. Au pire, je touche au bouchon. Une femme. Eh ben, je... Alors, pas de discrimination, je vais tirer aussi bien que sur les deux. Les femmes, donc je tirerai sur elle. Très bien. Parfait. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. Pas grave. Hop. Je leur décoche une. Oh, oh polo, ils sont pas si mal ces trucs. La toucher, ta flèche est plutôt bien ajustée. En plus, t'as bien tiré, t'as bien bandé la corde. C'est le réveil, c'est normal. Non. On est bon, on est bon. C'est un arc composite, c'est ça? Les Black Men. Oui, arc long composite. T'as bien forcé sur la corde et tu vois la flèche qui part à une vitesse impressionnante pour venir se caler directement dans la gorge de l'accultiste qui s'effondre au sol, son sang qui se répand dans l'eau autour d'elle, tandis que tu entends Obeshad qui commence à pousser des cris de voyant que ces cultistes se font tuer. C'est maintenant à Mayal qui dort toujours, donc c'est maintenant à Obeshad
d'agir. Obeshad, voyant que tu es réveillé, alors lui il s'est, enfin je j'ai pas pensé à le mettre, mais lui il s'est avancé et il a passé la porte. Hein. Littéralement, il est en train de se barrer, l'autre. Voilà. Au revoir. Au revoir. Obeshad, donc, va, voyant que Eldebaf s'est relevé. Oh non, il va me re-rendormir. S'intéresser à toi. Mais non! Non, il te lance un... Enfin, il tend de nouveau un doigt vers toi. Et je vais te demander un jet de vigueur. Ah, la vigueur, je suis déjà meilleur. Allez, ouais, 24. Dans le cul. Ok. attends, parce que tu prends quand même, tu prends quand même quelque chose. Alors, que je regarde en cas de demi-dégâts, oui, c'est ça. Hop, alors, ta CA de contact, elle est de combien? Alors, CA de contact, elle est de 12. Oui, c'est ça. De 12, ok. Donc il parvient à, tu vois un rayon un peu noirâtre qui t'atteint. Ah non, un rayon affaiblissant. Non. Et tu perds 4 points de force. Non, ma stat. Oh le bâtard, 4 points de force, c'est dégueulasse. On l'avait déjà eu. Ah bah bon, c'est avec la corne. C'est maintenant... Non, c'était le... Je sais plus, mais il y avait un autre truc qui... Bah non, c'est la même chose, c'est ce sort-là qui l'avait fait sur Eldebaf, qui l'avait affaibli. C'est non. Maintenant donc au mercenaire qui tente... Alors l'autre, il s'est barré, hein, voilà. Littéralement. Tandis qu'Aloïs s'approche de l'acolyte, elle fait des grands moulinets avec son épée pour essayer de toucher. Alors, on va voir si elle touche. Elle fait Fruit et, Ninja. Elle a un pourcentage d'échec. Non, elle est passée à côté. Elle vient de le manquer de très peu, mais elle vient de le manquer. Et c'est maintenant à Kratel. Il est derrière le tombeau d'Eristée, on est d'accord? Ouais. Et il est surélevé l'hôtel? Enfin l'endroit où il est surélevé par rapport à l'eau, etc. Ou il oui, est dedans aussi? Il est un peu plus surélevé par rapport à cette zone-ci d'eau. Mais il y a aussi de l'eau dans cette partie centrale. Ouais. Et en fait l'eau qui arrive dans cette partie centrale déborde dans la deuxième partie. Qui, elle okay. S'échappe, tu le vois, il y a des espèces de petites évacuations sur au niveau des murs là, et ça part dans les murs. Bah écoute, on va rester à l'arbalète de poing et je vais essayer de lui tirer dans le dos. Ok, très bien. Et on va pas essayer de faire compliqué quand on peut faire simple. Voilà. Ah, je vais utiliser un jugement, tiens, peut-être, ce serait pas bête ça. Ah. Très bien. Et c'est vrai que, j'aurais pu. hein, puis en plus ça me coûte rien, donc voilà. Tac, tac, tac. Parfait. Justice, plus un objet d'attaque. Ok. Parfait. Ah. Allez. On y croit. Venu Kratel, fais-nous des cris. Non. 4. Pas dans ce sens là. C'était un 4. Malheureusement, ton carreau, en fait, au moment où tu l'as chargé, t'as voulu te précipiter pour tirer et il est parti dans un coin de la pièce se perdre. C'est gaffe. Maintenant à Mibi. Mibi, que fais-tu? Eh ben, je continue ma tournée de baf. Et je viens réveiller Maya. Ma tournée de baf. Mibi, voilà. Lors de ce combat, elle aura plus touché ses coéquipiers que ses, que ses ennemis. Que les ennemis. J'ai pas claqué mon armure de mage pour ça. Ok, donc Mayal, tu as toi aussi Mibi qui commence à te secouer devant toi. Et tu te réveilles. Tatané. VPO.
tu te réveilles. Des PO. Ah, les pièges. Sachant que je tiens à préciser que l'armure de mage, c'est une heure par niveau. Donc potentiellement, ça aurait duré 3 heures. Donc t'aurais pu la mettre vachement plus en avance. Ah, c'est assez large. C'est maintenant du coup Eldebaf. Eldebaf, que fais-tu? Bon bah je vais lui retirer dessus, ça demande pas vraiment de force en fait mon affaire, donc c'est peut-être pas plus mal. C'est plus de la dextérité effectivement. Ouais c'est ça, c'est plus de la dextérité. Donc je vais... là il s'est relevé du coup au Bechad. Bah tu sais il est un petit peu comme dans une situation où il se lève, il envoie le truc, il se rebaisse un peu, enfin il se met. Ah ouais quoi. D'accord. En plus il vient de okay, voir qu'il y avait un carreau qui était parti bon bien au-dessus de lui, mais ça l'a alerté qu'il y avait du monde derrière. Donc ok. Moi je lui tire dessus quand même. Bon je vais rater a priori. 13 malheureusement non. T'as pas réussi à ajuster ton tir. C'est désormais. Je me recache justement. Pas de placement. Je me recache derrière le pilier. Okay. On est deux à ce petit jeu là on peut faire. Hein. Mayal c'est à toi. Bien. Cette fois-ci je peux attaquer à outrance 2 fois de suite. Oui. Et comme c'est un humanoïde, je n'ai pas de malus. Parce que normalement j'ai moins 2 en attaquant à outrance, mais j'ai plus 2 contre les humanoïdes. Donc ça. Ah. Effectivement. Vas-y. Alors, le 14 ne passe pas. Toi aussi, t'as eu un peu de mal à ajuster ton tir. Le 20, par contre. Ah, je viens de me réveiller. Magnifique. Il y a quand même 20% de chance de le rater. On va voir. Eh bien, tu parviens à le toucher. Tu parviens à le toucher. Et à lui appliquer les 4 points de dégâts. Donc, tandis qu'il se relevait pour lancer un sort, il se prend ta flèche dans l'épaule. Aïe ! Et donc, il perd ses 4 points de vie. Oh, tandis que de son côté, justement, il s'apprête à lancer de nouveau un sort. Pouf pouf, sur qui est-ce que je vais le lancer ? Sur Mayal. Mayal, je vais te demander un jet de vigueur. Aïe. 6. Tu es aveuglé. Ah, c'est pratique ça pour faire de l'arc. Tout à fait. Donc tu ne vois plus n'importe rien. N'importe quoi d'ailleurs. Tu ne vois plus rien. Tu auras 20% de chance de rater supplémentaire sur tes attaques à partir de maintenant. C'est tout ? Oui. Tu tires au jugé en fait. Mais faudra quand même réussir ton jet plus. Je sais plus c'est 20, okay. C'est peut-être 40 d'ailleurs. Mais maintenant, c'est à Kratel. Kratel, que fais-tu ? Je vais sortir une de mes lames liquides. Oh my god ! Ok. Et je vais m'avancer vers... Shad, ouais, c'est ça. Je vais sauter Kratel dans l'eau for the win ! Vu que... Ouais. Bon, après, je suis dans le... Je sais pas si je peux... Enfin, je vais peut-être pas activer la lame liquide tout de suite. Est-ce que je peux activer la lame liquide ? C'est une action de mouvement ? Mm-hmm. Je vais y aller doucement plutôt. Je vais aller dans l'eau très discrètement, enfin aussi discrètement que possible, ouais. Et essayer de m'avancer au maximum vers lui sans faire trop de bruit. D'accord, mais en je espérant qu'il m'oublie. Faire un jet de discrétion et à t'avancer de la de ta vitesse normale comme si tu marchais. Ok, ça marche. Bon, 9 mètres, normalement, je devrais pouvoir le rejoindre. C'est toi qui marches. Et... Oui, 9 mètres, ça devrait le faire. Je vais vérifier quand même, mais... Je vais lui faire quand même un jet de perception pour voir si de son côté, il perçoit quelque chose. 10 en discrétion. Ouais. C'est pas suffisant. Il t'a entendu. En fait, t'as essayé d'être le plus discret possible, mais t'as fait quand même un petit clapotis au moment où t'as mis le pied dans l'eau. Donc ça l'a alerté. Il s'est retourné. Il t'a vu. C'est maintenant à Mibi. Mibi, que fais-tu ? Moi, je vais me déplacer un peu. Je vais aller là. Ça me semble bien. Ouais. Et puis, piou-piou sur Robchat. Piou-piou. Piou-piou. Eh bien, c'est parti. Piou-piou.
En espérant cette fois-ci que tu fasses de meilleurs jets que sur le précédent piou-piou. Tellement garanti. Mais c'est un peu mieux. Re-5. Ah non, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Non, c'est pareil. Non, mais à chaque fois, Mibi est régulière sur ses piou-piou. C'est ça. Donc, projectile magique qui inflige 5 points de dégâts. Tu vois, pourtant, il était un peu caché et tu vois les projectiles qui partent et qui passent derrière le cercueil pour le toucher. Et tu l'entends derrière. Aïe ! C'est. Eldebaf, que fais-tu ? Je fais pas de placement pour revoir monsieur qui vient de crier. Et je lui redécoche une flèche avec mon arc long composite. Ok. Et c'est de la merde ! Oh, et c'est un échec critique d'ailleurs. Ah, mais c'est pas moi qui suis juste derrière ! Bah. Comment dire ? Toi, il y a Loïs, il y a le. On reprend les bonnes vieilles habitudes ! Donc, moi je dis ça vaut un D3 tout ça. Tu vas me lancer un D4. 1, c'est personne. 2, c'est Kratel. 3, c'est l'acolyte. Et 4, c'est Aloïs. C'est moi qui lance le D4? Ouais, c'est toi. Kratel, c'est combien déjà? 1, c'est personne. 2, c'est Kratel. C'est 2. Ouais, c'est personne. Bon, c'est. C'est pas plus mal. La flèche vole s'écraser sur le. Sur le mur derrière de la salle. Mayal, c'est à toi, que fais-tu? Dans quel camp es-tu? je vais faire la même chose. Hein. Voilà. Je vais rester sur le fait que je suis dans la même position que tout à l'heure, donc je dois viser au même endroit. Ok. Et je vais même double attaquer. Mais du coup, est-ce que ça fait encore plus de risques? Ça fait deux risques de rater, ouais. Regarde comment je l'ai fait, moi. C'est bon. J'ai bien envie de te dire, vise avec les deux yeux. Mais là, ça va rien changer. Vise sans les yeux. Je peux refaire mes jets, de toute façon, j'ai un bonus. 16. Oh nanana. C'est le deuxième nom. Ça part dans les vapes. Et par contre, c'est le moment des critiques, puisque eh bien, c'est encore un échec critique pour Mayal sur le sa deuxième attaque. Le D4, du coup, alors, il va y avoir un D4, mais je vais être fair play. Mon bonus. Je vais faire quand même les 20% d'échecs sur mon bonus. Mon bonus. Jamais tu touches. Je peux le relancer. Ah oui, c'est vrai, tu peux le relancer avec ton avantage. Bah vas-y, c'est le moment. Ah ! Je pense que c'est le moment, ouais. Ah ouais. Bah ouais, plutôt, ouais. Oh, oh oui. 27. Alors 27 potentiellement, ça touche, t'as réussi à... En fait, la corde, t'as tiré sur la corde, t'as fait... Je crois que c'est par là. Et en fait, t'as un petit coup de vent qui fait... Au moment où tu lâches ta corde et du coup qui te réoriente au bon endroit. Ah, c'est beau. Et tu parviens à toucher Obechad qui se prend ta flèche et se prend donc 2 points de dégâts. C'est toujours le ça. Le vent du destin qui a remis Mayal, ouais, sur la bonne trajectoire. Il y a une sacrée brise hein, dans ce tombeau. Ouais, sacrée brise. Obechad, de son côté, n'est pas très très satisfait de ce qu'il se passe et il a entendu du bruit derrière. Alors il se retourne et il lance une main brûlante sur tout l'espace qui est devant lui. Alors je vais quand même mesurer pour m'assurer de jusqu'où va la main brûlante. Voilà, ça va atteindre Kratel. Pas Aloïs, donc il va s'avancer. Il va s'avancer au bord, toc, pour pouvoir avoir Kratel et Aloïs dans le champ de sa main brûlante. C'est-à-dire qu'il prend le risque de blesser ou tuer la dernière. Oui, l'acolyte. Tu vois que de toute façon, au même tour, tu vois l'acolyte qui continuait de psalmodier, qui part en cendre. Juste au moment où il va le lancer. Donc vous, de votre côté, vous n'êtes pas tout à fait certain que ce soit de son fait ou du fait du rituel. Mais toujours est-il qu'entre le moment où il lance la main brûlante et après, vous voyez disparaître cet acolyte
qui du coup laisse place à un petit tas de cendres. Et alors, la main brûlante. No. Et on a perdu Kratel. Kratel, il est perdu. Kratel, on a perdu ah bah, voilà. Il a vu que c'était pour lui, donc on a perdu Kratel. On va attendre qu'il comme par hasard. C'est les petits soucis du direct avec les petits bugs que l'on a. Merci Timmy pour le raid. Je vois qu'il y a un raid qui est passé. Merci beaucoup Timmy pour ton raid. Et bien c'est toutes les 1h30 à peu près. Toutes les 1h30 à peu près, c'est ça. Voilà. Donc, Kratel a pensé qu'en se déconnectant, il pourrait esquiver la main brûlante de cette manière-là. C'était habile, mais pas suffisant. Je t'invite à faire un jet de réflexe. Réflexe, allons-y. Tandis que d'ailleurs, il faut que je le fasse elle. Aussi pour Aloïs. Aloïs qui rate complètement son jet de réflexe. Elle savait pas vers où, elle a juste entendu le rugissement des flammes s'orienter vers elle et elle a voulu plonger pour éviter les flammes, mais elle a plongé vers les flammes elle-même. 14, malheureusement, ce n'est pas suffisant, tandis que les flammes viennent lécher ton manteau et te brûler une partie de ton bras que tu as mis pour essayer de protéger ton visage. Aïe. Tu prends 16 points de dégâts. 16 points, ouais. C'est énorme. Mais t'étais à combien la Kratel? Il me reste 5 points de vie. Oh la vache! La baguette, la baguette! Alors, j'ai fait le max sur 3 des 5 dés. Ah bah c'est pour ça! Autant déjà, il y a 5 dés, c'est énorme! Là, ça fait mal. Attends, il a lancé 5 dés, mais il est quel niveau? Ouais, c'est 5D4. Et non, mais c'est les mains brûlantes, c'est normal. Il est pas niveau 3. Bah non, mais c'est un dé par niveau. C'est maintenant à Kratel, justement. Kratel, que fais-tu? Ah, on a un petit souci de son là, je sais pas qui c'est là. Eh bah écoute, je vais allumer une grenade. Un petit bip qui vient de temps en temps. Mayal, si tu peux cacher d'où ça vient. Je n'ai pas de bip. Oui, donc je vais donc allumer une grenade à plomb d'argent. Ça s'est arrêté. Ok, très bien. La prendre en main et faire un très très gros câlin. Putain. À Obshad. Quoi? Tu te suicides? Oh le bourrin. Quand, ouais. Quand la lame empoisonnée, non, ce truc. Vas-y. C'est. Waouh. Alors. What? Mais y'a d'autres moyens. Alors, grenade à plomb, tout d'argent. Mais non, mais prends la lame et fais-lui du poison, je sais pas. Mais oui, fais-lui du mal. Rien, fais-lui du sale. Tac, tac, tac. Et l'explosion, c'est un des trois rounds, donc on va lancer ça pour voir dans combien de temps. Parfait. Je vais lui faire un câlin, et ça va pas péter tout de suite, et il va falloir qu'il... D'accord, ok. C'est très gênant. Donc, ça va péter vite, parce que j'ai... C'est ça, la grenade pète au bout d'un des trois rounds, donc du coup, voilà. Ah, ok, ça marche. Donc je vais juste, en fait, me coller à lui, idéalement le tenir de très près. Ouais. Et, petit jet de lutte. Et faire en sorte qu'il puisse pas s'échapper, quoi. Ok, ça marche. Voilà. Vite. Très très bien, je te laisse te rapprocher de lui, voilà, nickel, parfait, lui faire un câlin. C'est à Mibi. Mibi, et que fais-tu? Attends, je vais juste... Vas-y. Je vais juste, en passant, me mettre... me faire un jugement de... de protection. D'accord. Voilà, donc j'aurai plus un à la classe d'armure. Plus un à la classe d'armure, d'accord, ok, ça marche. Au principe, mais... C'est à Mibi. Mibi, tandis que tu vois Kratel faire ce mouvement un peu inattendu et désespéré en se collant à Obshad, que fais-tu? Imagine que... Non, la corne, elle pèse moins de 2,5 kilos. Potentiellement, peut-être, ouais. Ok, je vais essayer de, avec la manipulation à distance, de récupérer la corne vers nous. Ok.
Donc, manipulation à distance, il me semble qu'il va falloir que tu te rapproches parce que t'as une distance de, qui est plutôt courte. 7,5 mètres plus. Plus 1 mètre par mètre, je ne sais plus. Il a écrit 30. 30 ah, mais non, ça, le calcul, faut pas le prendre, le calcul, il est pas bon. Bah alors, je vais me rapprocher. Dans la description. Que je n'ai pas noté. Enfin, donc pas jusque-là. Là concrètement t'es obligé de mettre les pieds dans l'eau pour faire ça. Dis-moi oui. Si c'est ce que tu fais. Je vais te rapprocher au hasard, tu regarderas la distance. Ah c'est après. 7,50 m. 7,50 m, ok. Donc je te rapproche, je sais pas si t'es peut-être encore un peu loin. Hop. Ouais, bah je pensais pas qu'il fallait que je me rapproche autant en fait, donc Ah. Je vais pas faire ça. Tu vas pas faire ça, ok, ça marche. Non, je parce que je risque de péter après, donc j'ai pas très envie d'exploser. Je remets le hôtel. Ouais, mais du coup, toutes les portées, elles sont pas bonnes, c'est ça, en fait. Toutes les portées, il faut que tu regardes dans la description. Description du sort, ou dans portée, désolée, t'as peut-être mis... si c'est courte, si c'est portée courte, c'est 7,5 mètres plus... C'est ça. Plus je sais plus combien par niveau, mais c'est plus... 1,5 m, non? Ouais, c'est 1,5 m par niveau. Ça, ouais. Manipulation à distance, 7,5 mètres plus 1,5 mètres tous les deux niveaux. Ouais, ah, tous les deux niveaux. C'est pas beaucoup. Ouais. Donc tu dois faire 10 mètres, tu dois être à 10 mètres, je pense. À 10 mètres? Alors. Je vais me mettre là. Ouais. Comme ça, je suis à 10 mètres d'Obshad et je vais lui jeter boulette. Et tu lui jettes boulette. Ok, très bien. Il y a un jet contre boulette ou pas? Oui, c'est volonté. Volonté. Ça marche. Quelle difficulté? Euh, 17. 17, merci. Ah. Le silence. Donc, volonté. 17, c'est assez élevé, hein. Ouais, j'ai un bon... Voyons c'est DD, hein. Ça va donner... Oui. Ouais. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas pour l'instant ce que ça a donné. Tu verras à son tour. C'est maintenant à Eldebaf. Eldebaf, qu'est-ce que tu fais? J'ai tout intérêt à rester avec ma dextérité et donc mon arc. Parce que j'ai plus de dextérité que de force en ce moment. Je vais continuer avec mon arc, hein, à distance, ça marche comme ça marche, mais j'ai pas trop d'intérêt à aller au cac maintenant que va y avoir une bombe qui va péter. Donc je vais retirer... Ah, et c'est pas mal, 21, sur Obeshad. 21, très bien. Tu parviens à toucher Obeshad, sachant que, en plus, Kratel a participé à un peu déjà le mettre en évidence parce qu'il est sorti de sa cachette, et il a participé à un peu l'immobiliser, donc... tu parviens à lui tirer pile au niveau de l'omoplate, ça rentre bien, ça semble lui faire mal, donc ouais, 7 points c'est ce que je veux. De dégâts, c'est maintenant à Mayal. Mayal, que fais-tu? J'ai aucune idée de ce qui se passe, moi, vu que je vois rien là, en fait. Là, je pense que t'as un petit problème au niveau d'un câble, ou un truc comme ça, parce que ça grésille un peu. Ouais, ça grésille un petit peu. Est-ce que ton câble jack ou USB de ton micro est bien rentré? On t'entend plus. Ouais. Ah si, c'est bon. Ah, on m'entend plus. C'est bon, si, c'est bon. Mais okay. Tu es très basse par rapport à tout à l'heure, là, c'est bizarre. Et là? Ouais. Un peu mieux, ouais. Je suis au max. Voilà, c'est bien. Du coup, moi j'ai plus une idée de ce qui se passe, donc je vais continuer à tirer comme je devais. Hein. Et bien, tire. T'es comme moi. Double tirer. 23. Bon, au moins ça touche. Et 28, ça touche. Ça fait que 2 points de dégâts au total parce que t'as fait des tout petits scores de dégâts. Mais ça touche. Et lui enlève 2 points de dégâts supplémentaires. Je te laisse continuer à regarder parce que ça grésille toujours quand tu parles. Voir. D'où ça peut venir, je sais pas si t'as branché peut-être quelque chose. T'as peut-être branché quelque chose que t'avais pas tout à l'heure, ou je sais pas si c'est le même port
que t'as utilisé que tout à l'heure. Bon, du coup, Mibi est devenue Mayal, mais c'est pas grave. Donc. Lol. C'est mieux. On va voir. Pour l'instant, non, ça a pas l'air d'avoir trop changé. Maintenant, c'est à Obeshad. Obeshad qui va essayer de se défaire de Kratel. Kratel, je vais te demander quel est ton DMD. Alors, c'est en défense, ça, non? Ouais. Oui. Alors, DMD 9. 9. Bon, il arrive pas à se défaire de toi. Il a foiré son jet de lutte, hein, tout simplement. que je vérifie quand même combien il a en bonus de jet de lutte, mais vu le jet qu'il a fait, à mon avis, c'est foiré. Ouais, voilà. Est-ce qu'il a l'air d'avoir été embêté par quelque chose? Non. Genre, est-ce que tout le monde aura marché? Alors, il s'est foiré, mais pourtant, t'as l'impression que d'habitude, ça foire plus que ça quand Boulette fonctionne. Il va incanter au corps à corps avec toi, du coup Kratel, pour ouais. Te faire un contact gelé. Donc ta CA de contact est de combien? Alors CA de contact 10 plus 1 grâce à mon jugement de protection, okay. Donc 11. Donc il te touche. Et tac tac tac. Faut que je fasse ça, c'est chiant. Et il t'inflige donc des dégâts de froid. Paf paf. Ok. Tu prends j'ai pas fait beaucoup. Tu prends 5 points de dégâts. Ok. Je tombe ouais. À 1. Tombe à 1. Aïe, aïe, aïe. Okay. C'est de retour à toi, donc ta bombe va péter maintenant. Oui. Ce qui nous donne. Oh là là, 12. En plus c'est plutôt des projets. Ce qui nous donne, que je te dise pas de bêtises, un point. D'ailleurs, attends, du coup j'ai fait 2-5-5, donc ça fait 2 dégâts de. 2 dégâts contondants, 5 dégâts perforants. Et 5 dégâts de feu. Ce qui fait un total de 12. Sachant que, c'est ça. Vu que vous êtes dans l'eau, les dégâts de feu sont réduits de moitié. Yep. Donc, j'enlève... donc ça fait... Alors, il a un jeu de réflexe à DD 15 à réussir. Non, ouais, bah, Kratel. Kratel. Jeu de réflexe DD 15. Enfin, ceci étant dit, je tiens la grenade dans ma main, hein, donc bon... Oui, mais tu sais, au dernier moment, tu peux avoir le bon timing, lâcher la grenade merde. Que ce soit lui qui prend, quoi. Oh, 21, il est très bon, ce jet de réflexe. Lui aussi a réussi son jet de réflexe au moment où ça allait péter, il s'est un peu retourné. Donc c'est que la moitié des dégâts, du coup. Que la moitié des dégâts, donc c'est la moitié de 9 points de dégâts que vous prenez tous les deux. Donc c'est 4 points de dégâts chacun que vous prenez. Donc je suis à moins 3. Tu es à moins 3. Et lui semble avoir quand même bouffé aussi. Il n'est plus en si bon état que ça. Il est très surpris par le mouvement que tu as fait. Donc vous êtes un peu séparés par l'impact. C'est de nouveau à Mibi. Mibi, que fais-tu? Allez Mibi, là. Faut le claquer, là. Faut le claquer. Piou piou, hein, parce que je pense que piu-piu, j'ai ouais. Pas mieux. Piou piou, hein. Allez, on va dépasser les 5, j'y crois. Si, tu pouvais avoir piu-piu. Mieux si tu te rapprochais pour utiliser la main brûlante que t'avais dans dans le parchemin. 7 points de dégâts, eh bien, il bouffe les 7 points de dégâts, tandis que vous voyez qu'il est marqué. De diverses blessures un peu partout. C'est maintenant à Eldebaf. Eldebaf, que fais-tu? Elle joue plus notre ami aveugle là. Bah en fait, disons que l'explosion l'a un petit peu déboussolé. elle sait pas trop où chercher. Bon, ouais, d'accord. Elle est un peu paumée quoi. Elle erre sans trop savoir où elle est.
Ok. Bon, bah, je vais lui retirer une flèche hein, sur notre monsieur décontenancé. Hop. Allez au Béchade, prends-toi ça. Oh. Et ça touche. 20, ça touche. C'est ça qui est beau. Et tu le vois à ce moment-là qui tombe. Il tombe au sol. Ah. Il est... Comme ça. Il est KO. Ah oui, la musique s'est arrêtée. Ah non, moi de mon côté, elle tourne toujours. C'est clair. De mon côté, la musique tourne toujours. Mais c'est pas grave, puisque au moment où il est au sol, de votre côté, vous précipitez, j'imagine, vers Kratel pour essayer de... Oui, Kratel ! On va te le mettre dans... De c'est en suppositoire, à part. Je vais vous demander un jet de connaissance, d'art de la magie ou de sagesse pure pour réussir à utiliser l'objet parce que c'est pas naturel pour vous alors que pour Kratel c'était naturel de l'utiliser. T'as dit c'est art de la magie ou quoi? Art de la magie ou sagesse pure. Selon où t'es meilleur. Et alors, toi, je saucissonne. Ouais, alors, au moment où tu t'approches de d'Obeshad, que tu vois agoniser au sol, donc il est adossé à ce au tombeau d'Eristé. Tu, ouais. Il y a quelque chose comme l'air qui semble se rafraîchir d'un coup. Ah non. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Vous sentez que quelque chose se passe. Obeshad, agonisant, semble regarder derrière toi et il s'exclame: pourquoi? Pourquoi, Seigneur, nous as-tu abandonnés? Quand, derrière toi, au moment où tu te retournes, tu vois dans une nuée d'insectes, sortie d'on ne sait où, d'où se matérialise une silhouette. Hop. Tu vois une silhouette se matérialiser à cet endroit-là, un peu plus haut. Oh putain. Donc, d'une taille... la silhouette d'un homme, mais d'une taille impressionnante, beaucoup plus grand. Il doit avoisiner les 3 mètres de haut. Il semble voûté, il traîne derrière lui une cape grouillante en lambeaux. Et tandis que les insectes qu'il compose s'agitent toujours, un visage, tu vois qu'un visage pâle, dont l'expression est située entre le dégoût et la colère, et en même temps un peu l'impassibilité, se forme pour, au fur et à mesure, donc s'approcher de Yurgat. Tu le vois qui descend ses escaliers, qui pose les pieds dans l'eau, qui s'avance. Oh ouais, 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 et moi avant tout ça, je lui fais une mise à mort à l'autre. Hein. Il. Et il bouge plus, et il est devant moi. Fais-moi un jet de volonté, L2. Un jet de volonté? Je lui fais une mise à mort, c'est automatique. Base, ok, volonté, non, c'est en défense. Volonté, je suis à chier, je suis le pire du groupe en volonté. Et là, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Mais t'es quand même tétanisé par la peur de cette vision d'horreur. Oh non. Il te dépasse. Il semble presque te traverser en fait. Et il passe pour aller vers Obeshad, tandis que toi tu es recroquevillé et tu t'éloignes un petit peu. Il s'approche d'Obeshad, il se penche vers lui et il lui susurre d'une voix que vous reconnaissez et qui semble traînante. Un peu lancinante, où il lui dit: pensais-tu vraiment que mon pouvoir pouvait être dompté? Imbécile, le jugement des maîtres des enfers sera sans appel pour toi. Et à ce moment-là, vous voyez le corps de Yurgat transi par la peur qui se fige dans une pose de terreur absolue. L'homme, vous voyez, se redresse. Et toujours tourné vers Yurgat, il lui dit: tu es maintenant libéré de cette malédiction, mais condamné à des siècles de rédemption.
À ce moment-là, il se tourne alors vers vous. Et vous voyez un changement, littéralement, d'attitude dans ce qu'il dégage. Désormais, il a l'air d'être beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, moins en colère. Vous voyez que justement, comme ses traits semblent redevenir uniquement impassibles, vous voyez que les insectes qu'il compose semblent beaucoup moins s'agiter et son corps devenir beaucoup plus tangible, beaucoup plus net. Et c'est les insectes n'être présents qu'au bout de sa cape, finalement. Et il se tourne vers vous. Vous qui avez été choisi comme champion des dieux pour maintenir l'équilibre, votre rôle n'est pas encore terminé. Et au moment où il dit ça, il claque un peu des doigts. Et Kratel, tu es... Je fait dans le gardien. Kratel, tu es stabilisé à un point de vie. Ah. Tu reviens à toi. Parfait. Il continue de parler. Il vous faut vous hâter, car d'autres arrivent déjà derrière vous. Les mortels voudront conserver ces dangereuses reliques sous leur contrôle, alors qu'elles devraient être oubliées. Par ces rituels, Obeshad a fait de ce lieu l'endroit idéal pour renfermer la corne, car seuls ceux qui y ont porté les lèvres peuvent plonger la main dans les bénitiers. Ah! Ça servait à quelque chose qu'on ait vu le truc. C'est mortel. On a eu de la morvonnée pendant quelques temps, mais... Mais on pouvait appuyer sur les boutons. Et il peut pas reclaquer des doigts et me désaveugler parce que je vois rien, je sais pas qui parle. Pour l'instant, non, il l'a pas fait. Pour l'instant, en tout cas, il l'a pas fait. Tu vois Aloïs aussi. Enfin, non, tu vois pas, mais il y a Aloïs aussi qui est en train de tâtonner, qui cherche un peu dans tous les sens. Moi, j'ai plus de force aussi, si ça peut. Il continue quand même son explication. Et il vous dit : condamnez cet endroit avec ce qui doit à jamais disparaître. Refermez cette porte et ensevelissez les leviers. Voilà votre destinée. Et tandis qu'il dit ça, il lève la main vers sa droite en direction d'un des tombeaux qui est derrière la statue d'Éristée, en plein milieu ici. Vous voyez que c'est un tombeau dont le couvercle a été ouvert. Mm-hmm. Et vous voyez que derrière ce couvercle, il n'y a pas de cadavre. En fait, c'est un tombeau vide, littéralement. Un tombeau vide dans lequel il y a une petite pierre qui dépasse et qui semble du coup pouvoir être enclenchée, et potentiellement vous comprenez que c'est le mécanisme qui permet de refermer la porte de l'intérieur. Oh là là, oh le plan cul. Ouais, mais nous on est dedans. Je me trompe? On est dedans, donc on appuie sur le bouton. En gros, on appuie sur le bouton, on reste dedans. Non, c'est pour la fermer, pour que les gens puissent pas rentrer. Une fois qu'il a fini, il reclaque des doigts. Et Mayal et Aloïs retrouvent la vue. Ah bah enfin. De leur côté. En revanche, il leur dit : mon action ici ne peut être que limitée. Ce don que je vous fais ne durera pas très longtemps. Et tu comprends que tu redeviendras aveugle très rapidement derrière. Ah non. Bon, j'ai le temps. Même un dieu, il peut pas faire ça. Damn. Bon, ok. Donc là, faut qu'on. Donc il a disparu, c'est ça? Non, il est toujours là, pour l'instant. Il est toujours là et il semble se pencher et analyser un peu le corps de d'Obeshad pendant que vous êtes en train de discuter entre vous. Et au bout d'un moment, vous le voyez qui fait. Et le corps d'Obeshad part en fait en cendres. Et vous voyez le corps d'Obeshad partir en cendres, quoi, littéralement, disparaître. Tandis que ses vêtements restent sur place. D'accord. Bon. Donc on a un bouton que si on appuie dessus, ça condamne tout l'endroit.
Alors, allez-y de son côté, quand elle a retrouvé la vue, elle perd pas un instant. Et vous faisant juste un signe de tête, elle se casse. Également. Moi, je fais « Eh, monsieur, dans le colis... » Dans quoi ? Ça a coupé. Ça a coupé. Tout entendu, ça a coupé. Ah oui, on t'entend plus. ça coupe. Non, ça coupe. 1, 2, 1, 2, vas-y, teste. Ah. Deux secondes. Oui, c'est bon, t'entends. Voilà. Oui, mais moi, je vous entendais plus. Ah. Je vais, monsieur, dans le collier, est-ce que vous voyez ce qu'on voit ? Mais non, mais il n'a pas d'œil. Oui, je perçois ce qui se passe. En l'instant, ça va. On n'a pas l'air d'être trop en danger. Tout va bien. Okay. Ah, quel super. Le monsieur du collier, il a dit c'était bon. Attends, tu voulais que je te dise quoi ? C'est bon, c'est bon. Bah, l'ennemi est mort, donc oui, c'est bon. Ouais, il y a un démon ou un truc là, quand même. Un démon ? Hein ? Vite, on se barre. Reste pas là, vite, casse-toi. Attends, il est où que je balance les mains brûlantes là ? Vite. Ah non. Ah, l'agite pas trop non plus, hein. Et c'est un danger ou c'est pas un danger ? Oh. Non, c'est bon. Tu me préviens quand c'est un danger. Oui. Bon, je vais faire. Prendre les PO avant de partir. Oui, tu peux te servir des PO, mais toi, t'es... Là, c'est. Je non, mais parce que je vous rappelle qu'on était censé revenir dans la pièce d'avant pour les récupérer aussi, les autres. Oui, mais ça, on le fera après. De toute façon, il faudra sortir d'ici. Si on doit condamner tout, on n'aura pas le temps. Potentiellement, vous comprenez que, en fait, des gens du temple auxquels vous avez demandé de l'aide, potentiellement il y a des gens qui vont bientôt arriver et ce que vous dit donc Goltaras, c'est que les gens du temple n'accepteront pas de condamner ici des reliques sacrées. Ouais. Donc il va falloir les abandonner ici et les condamner vous-même. Faire nous-mêmes. Au bout d'un moment, vous regardez un petit peu tous les mécanismes de la pièce et vous captez que il y a vraiment qu'en appuyant sur ce bouton qu'on peut fermer la porte. Et vous voyez pas comment on peut la fermer autrement que par ce bouton. Faudrait tirer une flèche de loin alors. Kratel, c'est à l'intérieur. Kratel, au bout d'un moment, toi t'es resté un peu à reprendre ton souffle. T'as Goltaras qui se tourne vers toi, qui t'adresse juste un regard. Et en fait, dans ta tête, t'entends des paroles. Dans ta tête, t'entends. Ton destin s'arrête ici, fils de Kroos. Le leur va se poursuivre. Ils l'entendent pas ça les autres, on est d'accord ? Non, il y a que toi qui l'entends. Ouais. Non mais vous inquiétez pas, donc là je parlais à tout le monde, je suis complètement claqué de partout, etc. Mais j'ai un sourire jusqu'aux oreilles. Genre, je récupère les... Je dis non, vous inquiétez pas, je prends les reliques et je me dirige vers la petite pièce. Mais pourquoi Goltaras il appuie pas sur le bouton lui vu qu'il peut s'évanouir comme il veut ? Ah c'est clair, il peut transformer des mecs en cendres mais il peut pas appuyer sur un putain de bouton. Bah je vous écoute pas en fait, là, il a pas agi physiquement, tu t'as vu qu'en fait il t'avait traversé, il est pas tangible. Ouais je comprends, c'est un genre de fantôme. Mais il a le pouvoir de faire disparaître quelqu'un, il peut pas détruire la corne. On est d'accord que c'est juste là, hein, là où je suis. C'est le scénario. Ouais. Donc là, j'ai les reliques avec moi et je m'embarrasse pas de... Si t'appuies, en fait, tu vas fermer la porte de toute cette pièce-là, en fait. Donc il faut que tes camarades... Oui, non, mais je me pose à côté et je leur dis, oui, il n'y a pas de souci. Il se sacrifie. Non, c'est pas vraiment un sacrifice, vous voyez pas ça comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez quand on était au temple d'Eristé à Terrascon. Non, c'était pas à Terrascon, c'était à. C'était à Terrascon. J'étais resté un petit peu tout seul avec le personnel du temple. Ouais. J'avais eu quelques petits trucs qu'on avait gardés en privé, etc. C'est de ça dont il est question aujourd'hui. Vous voyez, si je me suis. Si j'ai fait un gros câlin à Upshad avec la grenade, c'est parce que je savais que mon parcours s'arrête là. Mais si t'étais mort dans la grenade, t'aurais pas pu appuyer sur le bouton.
Ça aurait pas changé le... Comment dire ? Je savais que je risquais pas grand-chose s'il avait... Enfin, vu qu'il y avait encore du travail à faire, mon parcours s'arrêtait pas là. S'il y avait pas eu du travail après ça, s'il avait juste fallu tuer Obshad, ça se terminait là et c'était pas un problème. C'est juste qu'il y avait d'autres choses à faire derrière, donc les dieux m'ont soutenu et m'ont permis d'arriver jusque-là, mais maintenant, mon parcours est terminé. Je vous ai pas dit tout ce qu'il y avait à savoir sur moi, tout ce que moi-même j'ai appris à votre contact sur moi-même et sur mon parcours. Et c'est un peu pour moi, comment dire, c'est mon destin de m'arrêter là. En fait, je vous ai rencontré, le fait de vous rencontrer, de voyager avec vous, ça m'a permis d'aller sur le chemin que m'avait réservé Cruz, et le chemin s'arrête là. Mais comment on va gérer nos sous, nous ? Est-ce qu'il faut plier ou pas ? Vous allez très bien gérer. Comment on va combattre les fantômes à présent ? En plus, on avait découvert l'alchimie avec toi. C'est pas comme si j'étais indispensable. Je vous jure que vous saurez vous en sortir. Dans le pire des cas, j'ai noté plein de trucs dans mon journal. Je suis sûr que vous pourrez y trouver des choses intéressantes. Et du coup, je le prends et je vous le balance. Et au moment où tu prononces toutes ces paroles, où tu donnes ces informations à tes camarades, tu vois derrière la grande silhouette qui approuve d'un hochement de tête. Et penche un peu la tête et juste après, en fait, t'as une nouvelle vision qui te vient dans ta tête. La vision est plus ou moins floue, mais tu arrives à distinguer une personne à la peau bleue avec un marteau à son côté et une tête multiface en pendentif. Oui, je connais ça. C'est Cruz. C'est le symbole d'Orun, le père fondateur. Père de tout. En toute simplicité. Non, en fait, ce que tu comprends, c'est que ça a l'air d'être plutôt un homme que tu... Enfin, comme un homme, mais à la peau bleue, tu vois. Et le sens de ta vision serait plus adressé à tes camarades qu'à toi-même. Et dans l'idée, tu reconnais que ça a l'air d'être un prêtre de l'homme qu'on t'a donné à voir. Prêtre d'Orun. Bah écoute, je transmets la vision. Hein. La suite du chemin est peut-être par là, pour vous. Un prêtre d'Orun. À la peau bleue. Bah moi je vais pour serrer la main de Kratel. Voilà. Bah je te serre la main avec plaisir. Et j'en profite pour lui faire une accolade. Bah moi je vais lui faire un câlin et je vais lui faire les poches en même temps. Mais t'as vraiment pas de cœur. Je te laisse faire et je vous dispose toutes mes possessions devant moi. Mais c'est pas possible. À l'exception d'un petit carnet que je garde pour moi parce que c'est le mien, mais le reste je m'en fiche, je vous le donne avec grand plaisir. Avec très grand plaisir. Pêche. Elle a un cœur steak. Alors du coup Mayal, tu vois au moment où tu lui fais les poches un peu en plaisantant, tu voulais lui faire pour lui faire une dernière blague et tu vois qui te laisse faire et qui t'adresse un grand sourire au moment où tu l'as fait et du coup tu te rééloignes de Kratel après avoir pris donc ses possessions. Bah, du coup Mibi, les yeux pleins de larmes et le nez plein de morve, je vais te donner la dernière cuillère en argent. Oh là là, tout un symbole. Voilà. On sait que c'est un gros symbole en plus. Et, s'il réouvre le tombeau, il prend aussi de cuillère. Du coup, il y a Gol'Taras qui vous dit une dernière fois: hâtez-vous, votre temps est compté. Mais bah, c'est bon, hein. Ouais, bon, on a 2 minutes, non? N'inquiétez pas, vous aurez tout le temps de pleurer plus tard. Et encore, je vous dirai de ne pas pleurer parce que c'est fini. Et de sourire parce que c'est arrivé. Très bien. Sur cette scène déchirante d'adieu, vous quittez donc cette salle avec la dernière en plus, vision de. Alors du coup, tu récupères.
Tu récupères, tu récupères 13 pièces d'or avant de partir. Sur moi ou Non, non, dans le, dans le bac. je te ferai le compte tout à l'heure. J'avais déjà oublié ce truc-là. Tandis que vous partez en direction de donc des piliers, enfin des couloirs. Vous avez Gol'Taras qui vous dit détruisez les bénitiers, empêchez quiconque de retoucher à ce mécanisme et de rouvrir cet endroit. Faut qu'on détruise aussi les quatre là ou juste ceux qui ouvrent la porte? Bah, juste ceux associés au mécanisme. Et tandis que vous commencez à quitter cet endroit, vous jetez un dernier regard sur Kratel qui, fatigué, perclus de douleur et adossé au mur, et vous adresse un dernier sourire tandis qu'il appuie sur la pierre et que la porte se referme derrière vous. Adieu, Kratel. Seul. Adieu. Alors, s'il te plaît, du coup, Mayal sort parce que sinon tu vas plus pouvoir. Voilà. Je suis sorti, moi, là. Adieu, Mayal. Adieu. Et donc, la porte se referme sur Kratel et vous ne le voyez plus. Alors, Kratel, il se passe quand même quelque chose au moment où, une fois que la porte est fermée, Gol'Taras s'avance vers toi. Et tu vois quelque chose que tu n'aurais jamais cru voir sur le visage d'un dieu associé à la maladie. Tu vois une certaine compassion. Et il se penche vers toi et il te dit « Enfant du destin, mon frère, ton père te rappelle à ses côtés. Toute ta vie, tu as fait preuve d'une ferveur religieuse admirable. » Même quand la curiosité te taraudait, tu apprendras tout ce que tu espérais savoir du cycle de réincarnation. Mais il va te falloir dire adieu à ce monde. Et le sens de ce que vous avez accompli ici, de ton sacrifice, devra être effacé, oublié, pour que nul ne soit jamais tenté. Et il te tend une main. Tu sens ta main en fait qui traverse sa main et tout devient noir. C'est donc la fin des aventures pour toi. Je vais pas dire exactement ce qui se passe derrière, dans l'au-delà, puisque ce qui est de l'ordre de l'au-delà relève des morts et non pas des vivants. Wow. Orientons-nous maintenant vers vous, camarades, qui êtes sortis de là, les larmes aux yeux, et cette dernière mission qui vous est donnée, d'aller détruire ces piliers. Détruire ces ces bagues d'eau bénite. C'est miracle, là. Comment est-ce que vous vous y prenez pour les détruire? Bah, coup de marteau, hein. Je pense que la subtilité, On va le faire de manière sans la carte. On va le faire comme ça en RP. Ouais. À coup de marteau, d'accord. Donc vous approchez du premier. Eldebaf prend son marteau, tandis que Mayal et Mibi comprennent que par ce geste, la salle va être complètement et à jamais condamnée. Vous regardez ça avec des yeux un peu attristés. Et ton marteau s'abaisse. Vous avez conscience aussi que vous êtes plus sous la malédiction de la corne, donc dès maintenant, si vous aviez voulu rouvrir la porte, vous auriez pas pu. Ah, parce qu'il vous a levé la malédiction. Ton marteau s'abaisse, tu brises ce bénitier qui se casse. Il faut te reprendre à plusieurs reprises. Et au moment où tu brises, tu sens, vous voyez un petit peu quelques endroits du plafond qui tombent un peu.
comme si ça semblait affaiblir aussi toute la structure qui était autour de vous au moment où vous cassez ça. Donc là, vous avez brisé le premier. On aurait pu peut-être dû briser le plus proche de la sortie en dernier. Ouais. Mais après, en vrai, si ça s'écroule quoi. Attends, après, j'en ai pété un. Ça y est, la salle, on peut plus jamais l'ouvrir. Oui, mais dans l'optique, vaut mieux péter les trois. On a les bombes de Kratel, non? Oui, c'est vrai que vous avez les bombes de Kratel. Ouais, mais ça va pas nous laisser grand chose parce que c'est un round, ça va affaiblir la structure. Temple. Potentiellement, il va pas s'effondrer tout de suite. Vous allez peut-être avoir le temps de sortir, mais il faudra peut-être vous dépêcher quand même de sortir. Derrière. Bon, on va péter le 3 alors en premier. Le 3. Ouais. Ok. Vous utilisez une des bombes de Kratel qui fait efficacement office. Le bénitier est brisé. Vous sentez encore autour de vous que ça commence à trembler, des éléments qui commencent à tomber. Et vous vous précipitez vers le deuxième. Vous lâchez une autre bombe sur ce bénitier. Il se brise également. La structure est d'autant plus fragilisée. Vous voyez des morceaux du plafond qui tombent. Et il va vous falloir sortir le plus vite possible. Et je vais vous demander à tous un jet de réflexe pour sortir. Réflexe. Et je vais vous en demander plusieurs. Parce que vous avez un petit peu de course à faire. Ok. 16. Donc 16. 16 pour Mibi, 20 pour Eldebaf, 15 pour Mayal. Vous réussissez à courir. Il n'y a pas de souci, vous courez le plus vite possible. Autour de vous, ça commence à s'effondrer un peu. Second jet, on a Mayal à 15. Eldebaf à 7. Eldebaf qui trébuche un peu. Fait de second, qui se prend quelques morceaux de plafond qui lui tombent dessus. Mayal à 20 qui aide Eldebaf à se relever pour continuer d'avancer. Avancer vers la sortie. Vous commencez à être en vue de l'escalier, vous commencez à grimper l'escalier et je vais vous demander encore un jet, donc un 16 pour Mayal, un 20 pour Eldebaf et un 25 qui est une réussite critique pour Mibi. Vous réussissez à courir dans ces escaliers. Au loin, Mayal, tu entends un cri que tu as déjà entendu auparavant. Tu entends une sorte d'appel, une sorte de miaulement un peu bizarre, un peu étrange, qui semble être à l'entrée de du tombeau. Vous continuez de courir et au bout d'un moment, vous sentez que sous vous, ça commence aussi à travailler, à vouloir s'effondrer. Et je vais vous demander un tout dernier jet de réflexe. Vous êtes juste à la sortie. Juste à la sortie. Quand tout à coup, en dessous vous, le sol semble se dérober. Donc on a un 15 pour Mibi, un 12 pour Eldebaf et un 20 pour Mayal. Alors, le premier à l'avoir envoyé, c'était Mayal. Donc Mayal, tu parviens à agripper le bord de cette porte, le bord de la porte, tandis qu'en dessous, les escaliers se sont effondrés. En dessous toi, Eldebaf et Mibi se sont accrochés tant bien que mal à tes pieds. Et vous êtes suspendus, là, à cet endroit-là. Vous êtes un peu accrochés. Tu n'arrives pas à te relever. T'entends toujours ce miaulement qui devient moitié un feulement, qui se rapproche de toi. Et tu vois un caracal, une sorte de félin. Avec de longs poils en haut des oreilles, qui semble un peu affolé et qui te saisit la manche et qui essaye de tirer pour te sortir de là. Il a beaucoup de mal à te sortir de là. Tu luttes en vain. Je vais te demander un jet de force. Allez, allez. 10.
pas bon. Malheureusement, tu sens que tes forces vont t'abandonner jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu vois une grande silhouette, vraiment très massive, s'avancer dans l'entrée. Commencer à avancer vers toi. Et une poigne colossale de saisir les deux bras et réussir à vous hisser tous les trois sur le bord de l'entrée. Tu vois le caracal à côté qui est un peu hésitant, qui est entre qui feule un peu parce que il veut pas trop que l'homme s'approche, mais en même temps il s'approche pour te tirer un peu plus aussi du bord. Et vous voyez au-dessus de vous un homme très massif. C'est un homme, un véritable colosse, près de 2 mètres. Il a les cheveux roux, une longue barbe qui est assez mal taillée. Il a une cuirasse rouge, et vous voyez dans son dos une espèce d'épée à deux mains qui est ultra massive. Et il a un symbole autour de son cou, un symbole qui représente une épée à deux mains aussi. Symbole que vous reconnaissez comme étant le symbole d'Héroneus, donc le dieu de la guerre. Et il vous dit « Sortez, sortez! Ça n'a pas l'air stable !» Vous commencez à courir et à sortir de là. Oui ? C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut, sortir! Vous sortez de là, vous commencez à vous éloigner de la zone. Je vais rassurer le caracal qui n'était pas rassuré. Vous commencez à vous éloigner de la zone, le caracal t'accompagne. Et tandis que vous courez sur 100 mètres, 200 mètres, vous voyez derrière vous, en fait, tout l'apic rocheux commence à s'effondrer et à disparaître dans les flots de la mer intérieure. Et c'est là-dessus que nous allons terminer cette première saison des Dés sont jetés. Voilà, sur cette note... un peu amer. On va vous retrouver tout de suite pour un rapide débrief. Mais avant ça, on va mettre le générique de fin. Et après ça, je vous passerai également le brief d'avant ce live, ce que j'avais préparé pour ce live. Vous verrez qu'il y a certaines choses qu'ils n'ont pas du tout découvert. Ça peut être intéressant. Et on se retrouve juste après. Pour débriefer, à tout de suite. Il était une fois, dans une cité chaotique.